Roswell, Nouveau-Mexique. Mon très cher neveu, c'est le premier Noël que je passe loin de toi. Mais tu en connais la raison. Mon enquête sur les soucoupes volantes, sujet qui te passionne également. Je te souhaite une bonne lecture et le meilleur des Noëls. À la fin du livre, tu auras une grande surprise. L'année qui vient sera fantastique. Oncle Alain. Depuis la nuit des temps, de mystérieux objets sillonnent les cieux de la Terre. Le fait n'est pas contestable. Qu'on les appelle ovnis ou flying saucers, leurs origines, leur matière, voire leur consistance, sont à ce jour une énigme, mais aussi un formidable outil de réflexion, de rêverie et de recherche, faisant indéniablement progresser la pensée humaine, la littérature et la science. À travers cette quête, aux confins du fantastique et du merveilleux, nous vous convions à un étrange voyage, grâce à des personnalités souvent très différentes dans l'approche du phénomène. En voulant répondre aux questions posées par les ovnis, astrophysiciens, écrivains, ufologues et scientifiques soulèvent peu à peu le voile. On ne peut plus dire aujourd'hui que ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Cette science inconnue n'est pas de la magie, c'est sans doute un pan entier de notre avenir. 24 juin 1947, une date dans l'histoire des soucoupes volantes. Ce jour-là, Kenneth Arnold, PDG américain à Boise, Idaho, est aux commandes de son avion personnel. Il fait route vers Yakima, dans l'État de Washington, avec pour mission de rechercher l'épave d'un C-46 de transport de la marine qui s'est écrasé dans les monts Cascades. L'après-midi est ensoleillé et la visibilité très bonne. Soudain, vers 15 heures, un éclair blanc-bleu illumine tout le côté droit de sa cabine. À environ 40 km de lui, et se profilant sur les contreforts du mont Rainier, une formation de 9 objets scintillant d'un éclat métallique se déplace à grande vitesse. Ils volent à la même altitude que lui, 2850 mètres, en 2 lignes parallèles. Au voisinage du mont Rainier, ces objets grimpent presque à angle droit à l'altitude de 4200 mètres, puis disparaissent derrière le mont Adams. L'observation a duré 1 minute 30. Leur vitesse est estimée à 2400 km/h, 2 fois la vitesse du son. Vitesse fabuleuse à l'époque, puisque le mur du son n'est pas encore franchi. Kenneth Arnold déclarera un peu plus tard que ces objets se déplaçaient à la manière de soucoupes ricochant sur l'eau. L'expression fera fortune. Le blackout imposé par les gouvernements et l'étouffement médiatique féroce de l'affaire Roswell laissent à penser que les ovnis ne font pas seulement partie d'une mythologie littéraire exotique, mais qu'ils sont peut-être à la fois notre mémoire et notre destin. L'affaire de Roswell, c'est l'un des plus célèbres dossiers de toute l'histoire de l'ufologie dans le monde. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'accident supposé d'un ovni qui se serait écrasé aux environs de Roswell, au Nouveau-Mexique, près de où se trouve la base des bombardiers atomiques à l'époque, en juillet 1947, au beau milieu de la première vague des soucoupes volantes à l'époque. Alors je vous résume les faits. Le 8 juillet 1947 est publié un communiqué de presse sensationnel de la base des bombardiers atomiques qui annonce qu'ils ont trouvé aux environs de Roswell donc, un disque volant accidenté, qu'ils l'ont récupéré et qu'ils l'ont envoyé, tous les débris, pour examen dans les locaux techniques de l'armée de l'air. Mais le soir même, il y a un démenti du quartier général de Roswell à Fort Worth au Texas, qui dit qu'ils se sont trompés, qu'en réalité ce qu'ils ont trouvé c'était un vulgaire ballon météo avec sa cible radar. Et l'affaire a été enterrée pour 30 ans. Mais en 1977, presque par hasard, un ufologue américain, Stanton Friedman, a rencontré l'un des protagonistes de cette histoire, qui était le major Jesse Marcel, alors à la retraite en Louisiane, et cet homme lui a raconté une toute autre histoire. Il lui a dit que c'était pas vrai ce qu'on avait dit à l'époque, et qu'il avait passé la journée à récupérer des débris extrêmement étranges qui ne ressemblaient à rien de connu. À partir de là, plusieurs équipes se sont mises au travail progressivement et on a retrouvé plein de témoins et l'affaire a pris une dimension considérable. En étant très restrictif, on peut dire qu'il y a eu au moins 87 témoins, dont 39 sur la récupération de débris étranges, 34 sur la récupération d'un appareil, sur un deuxième site d'ailleurs, en forme de soucoupe, et 31 témoins sur la récupération, la découverte de cadavres non humains. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait presque une centaine de témoins au total, enfin disons 87, et ça représente un dossier très solide en fait. Voilà ce qu'il faut dire. Et puis, il faut dire que pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que si c'est vrai qu'on a trouvé un ovni, bon, il n'y a pas encore de preuves irréfutables, si vous voulez, hein, mais ça prend des dimensions, ça devient de plus en plus solide, et si on arrive à prouver cela de manière vraiment certaine, c'est une découverte capitale, c'est un tournant presque pour l'histoire de l'humanité, hein, la découverte d'un engin extraterrestre. Donc voilà pourquoi c'est une affaire si importante. J'ajoute juste un mot pour dire que pour beaucoup de gens, en France notamment, on croit que l'affaire de Roswell, c'est une histoire d'autopsie d'un bidon, d'un cadavre qu'on a montré en 1995. Juste un mot là-dessus pour dire que ce cadavre qu'on a montré, qui est très bizarre et suspect, avec son gros ventre et 6 doigts aux mains et aux pieds, il n'a rien à voir avec les descriptions des cadavres de Roswell. En effet, 8 jours après sa création en 1948, l'US Air Force prend en charge le dossier UFO. Plusieurs commissions d'enquête sont créées successivement, en particulier la commission Blue Book en 1952. Mais la CIA intervint pour imposer le blackout après les événements de Washington de 1952. Cette année-là, les 19 et 26 juillet, des échos d'objets inconnus et volant au-dessus de la ville furent captés par 3 radars. Plusieurs pilotes commerciaux les aperçurent, et un pilote d'avion en réaction fut même envoyé vers l'une des cibles qui se déplaçait au-dessus du Capitole. Pendant quelques minutes, ce fut la panique à l'aéroport. Les services officiels conclurent à une anomalie de la propagation des signaux radars et à des phénomènes de réfraction du genre mirage. Cependant, avant sa mort mystérieuse, le docteur McDonald, doyen de physique à l'Université d'Arizona, souligna l'absurdité de l'explication officielle. Le sujet devint tabou. Mais sur les insistances du docteur McDonald et du docteur Allen Hynek, directeur du Centre de recherche atomique d'Evanston, l'Air Force décide de la création de la supercommission Condon. Le rapport conclut à la non-existence du phénomène, mais reconnut pourtant son impuissance à expliquer 10% des cas analysés. En France, 2 incidents majeurs ont marqué la deuxième partie du XXe siècle. 2 affaires qui, en échappant à l'étroitesse de nos frontières, ont écrasé médiatiquement leurs témoins. La pression sociale fut tellement forte qu'elle bouleversa leur vie à jamais. Il s'agit de Trans-en-Provence et de Valensole. L'affaire de Marignane, quant à elle, prit une ampleur bien moins retentissante, mais tout aussi troublante. Quant à celle du plateau d'Albion, malgré la ténacité de Jimmy Guieu, l'armée a toujours démenti le survol de la base atomique par les ovnis. Voici ce qu'écrivait Jimmy Guieu à propos du plateau d'Albion en 1985. Les témoignages en notre possession se recoupent, et ceux qui émanent de sources militaires sont les plus détaillés. Chaque fois qu'un silo était ouvert, 48 heures plus tard, un énorme vaisseau venait se stabiliser en altitude. Il larguait des modules de reconnaissance, sphères ou soucoupes, qui eux descendaient pour faire un point fixe à 5 ou 10 mètres au-dessus du silo ouvert. Tout cela prouve à l'évidence que cette base de missiles stratégiques était sous la surveillance constante des extraterrestres. Affaire de Trans-en-Provence, 8 janvier 1981. Un ovni atterrit dans le jardin de Renato Nicolai. C'était un jeudi, là. Un jeudi, le mois de janvier, hein, le 8, là, c'était là, vers 5 heures. Hein. Quand je l'ai vu, moi, qu'il était en train de bricoler, là, Bon, je dis quand même, des fois, hein, ça fait pas quoi. Quand je l'ai vu arriver, pratiquement, je ne l'ai pas vu tout à fait arriver. Voilà. En fait, je l'ai arriver, mais en fait, je ne l'ai pas noté, en fait, ça que c'était exactement. Alors, comment était cet engin? Bien, l'engin, c'était un engin, une forme, on l'a fait comme deux assiettes, c'est-à-dire... Comme une soucoupe. L'une sur l'autre, un engin comme ça, là, c'était... 2,50 m là, sur 3 mètres, il fait environ le chose, là, le diamètre. De quelle couleur était-il? Plomb, mat, là. Il n'y avait pas d'insigne, de marque? Non, dessus. Il n'avait rien du tout, là. C'était une soucoupe, hein, si on l'avait appelé. Hein. Le 1er juillet 1965, à l'aube, Maurice Masse est déjà à l'œuvre dans son champ de lavande. Alors qu'il roule une cigarette, il entend une sorte de sifflement très aigu. Face à lui, un engin en forme de ballon de rubis est posé sur un axe central, enfoui dans le sol. Aujourd'hui, Maurice Masse n'est plus de ce monde. C'est son ami de toujours, Maurice Chassepoul, qui nous conte cet événement hallucinant. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un genre comme une dauphine, là, une grande dauphine, une grande voiture, avec 3 pieds et un pied central. Un petit bonhomme qui était penché sur les lavandes, qui était en train de regarder, et un autre devant, qui était devant ce qu'on appellera une soucoupe volante. Il s'approche, et dès qu'il s'approche, bien sûr, celui qui était penché le voit, appelle son copain, et à ce moment-là, ils sortent de leur poche, genre de tuyau long comme ça, et il le braque sur Maurice. À ce moment-là, il est carrément pétrifié. Il est tétanisé, pétrifié, il ne peut plus bouger. Il voit tout, il entend tout. Voilà, voilà un peu comment ça s'est passé, comment l'histoire s'est passée. Bon, après, il dit que les bonshommes sont remontés dans genre comme un volet, ça se soulevait comme un volet. La soucoupe s'est soulevée environ d'1 mètre. Les réacteurs, enfin, dessous, ça a commencé à bouger, mais avec un bruit pas très fort. Et en l'espace de quelques secondes, ça est parti du côté de Manosque, et ça a disparu. Mais à une vitesse exceptionnelle. Et l'endroit où la soucoupe a passé, toutes les lavandes étaient brûlées. Alors effectivement, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valensole? Moi je crois, parce que d'après les empreintes qui se sont produites sur le terrain de M. Masse, effectivement un engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles? Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs? Non, non, par aucun appareil connu, je crois pas. Et est-ce que M. Masse est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps en temps? Je dis pas, ou... Non, moi, là j'ai l'impression que vraiment il a dit la vérité, parce que vraiment il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Depuis la plus haute antiquité, d'Hérodote à Tite-Live, de Platon à Cicéron, depuis Fontenelle et le siècle des Lumières, les écrits ont laissé des traces de l'ampleur du phénomène. Il en est de même pour les textes sacrés. Eh bien, on pourrait commencer par la Bible, ça paraît en quelque sorte normal. Alors que nous dit Ézéchiel? Il nous dit qu'il voit d'abord venir du nord un grand vent, une nuée, une tempête, ensuite... un nuage qui semble contenir des éclairs, des formes lumineuses, et il parle même, au fond, de quelque chose qui ressemble à du métal chauffé, en plein feu, dit-il. Là, on aurait presque l'image moderne de l'apparition d'un ovni. Chez les anciens grecs et romains, il est question de boucliers volants. Et là aussi, ça devient beaucoup plus intéressant, et je dirais, nous cernons notre sujet. Pourquoi? Parce que la description qu'ils font de ces boucliers rappelle tout à fait les ovnis. En voici la raison. À notre époque, un objet courant, c'est une assiette, une soucoupe, voire une saucière. Pour les anciens, le bouclier était un objet tout à fait courant. C'était l'arme de défense numéro 1. Comment étaient les boucliers grecs de l'époque de Périclès ou d'Alexandre, ou les boucliers même de la première Rome et de la cavalerie romaine? Ils étaient ronds, ils étaient circulaires, ils étaient bombés. Et quand on nous parle d'un ovni qui ressemble à 2 assiettes l'une sur l'autre, il suffit simplement de poser ce que l'on appelait un oplon, qui a donné son nom d'ailleurs aux combattants grecs, l'oplite, c'est-à-dire ce fameux bouclier, de prendre deux oplones l'un sur l'autre, et à ce moment-là, on voit apparaître une soucoupe telle qu'elle est décrite par les modernes. Les vimana, c'est quoi dans la littérature védique? C'est en fait, ce sont des... Alors, il y avait deux sortes de vimana. Il y avait un, ce qu'on pourrait appeler les avions aujourd'hui, qui étaient conduits par des êtres humains, qui ressemblaient un peu à des avions, et puis les vimana complètement mythiques, qui eux n'étaient pas faits par conduits par les êtres humains, pilotés par les êtres humains, mais qui ressemblaient, on ne sait pas à quoi, ça ne ressemblait pas à un avion, il y avait, on ne sait pas comment ça fonctionnait, comment ça volait. Donc ces deux réflexions, c'est de dire que les Indo-Européens ont vraisemblablement façonné notre civilisation aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, mais en plus, on parle de l'Atlantide, on parle des Mayas, on parle de tout ça, et je crois que là aussi on a je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose, c'est un mythicisme ou si c'est autre chose, mais moi je me pose des questions, je vous dirais franchement. Le plus bel ovni de l'histoire du cinéma, c'est celui qui est placé devant la caméra de Stanley Kubrick et qui vient civiliser la Terre, lui apporter l'esprit dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et là, on songe un effet soit aux Elohim, pour reprendre l'image biblique, soit à ces dieux civilisateurs de la cordillère des Andes. Et Kubrick, en nous présentant cette figure, ce personnage, et on voit bien, au fond, on pourrait reprendre les paroles d'Ézéchiel, que c'est une sorte de vivant, puisqu'il est l'esprit et qu'il est bourdonnant comme une ruche gigantesque, eh bien, il nous donne l'image, une image purement géométrique. On songe à une porte, on songe à une borne, on songe finalement à un module mathématique qui, au fond, serait peut-être à l'origine, avec le fameux nombre d'or, à l'origine de la construction des temples sacrés, de ces temples qui eux aussi sont des modèles du ciel sur terre. Tous les ufologues ne croient pas aux ovnis, loin s'en faut. Leur aspect socioculturel, tel que le décrit Carl Jung dans son ouvrage Un mythe moderne, a inspiré de nombreux adeptes de cette théorie. En Suisse, Bruno Mancusi défend la thèse de Bertrand Meheu, proche de celle de Jung. Alors effectivement, Bertrand Meheu a abordé le phénomène de façon très intéressante. Donc il a publié d'abord un livre qui s'appelle « Science-fiction et soucoupe volante », dans lequel il établissait un parallèle entre les récits de science-fiction, par exemple des années 30 aux États-Unis, avec les récits des témoins. Et il a retrouvé un parallèle assez stupéfiant entre ces romans de science-fiction et les récits des témoins. Ensuite, il a écrit son livre Soucoupe volante et folklore, dans lequel il fait un parallèle entre les affaires de sorcellerie, par exemple, et les ovnis. Alors, il trouve que, par exemple, les rondes sorcières se retrouvent dans les traces d'ovnis, la marque du diable sur la sorcière se retrouve aussi sur les témoins d'ovnis, avec notamment les implants. L'odeur de soufre du diable se retrouve aussi chez les ovnis, avec soit l'odeur de soufre, soit l'odeur d'ozone. Bref, il y a un parallélisme très intéressant. Mais cette théorie ne nous apprend pas grand-chose sur la réalité ou non du phénomène. C'est-à-dire qu'on peut interpréter de deux façons complètement différentes. On peut se dire, voilà, vous voyez bien que les ovnis n'existent pas, puisque de tout temps, on a interprété ces phénomènes suivant la croyance de l'époque. Et donc, les ovnis ou les sorcières, je ne sais pas quoi, sont dans notre inconscient et les témoins imaginent des choses. Ou alors, on peut l'interpréter de façon plus croyante, c'est-à-dire, voyez bien que les ovnis existent, simplement on les a interprétés de manière différente. Au Moyen-Âge, on voyait des sorcières, tandis que maintenant, on voit des ovnis. Alors ce rapport Cometa, effectivement, a fait beaucoup de bruit, Mais il a fait du bruit parce que, à cause de la personnalité des auteurs. Par contre, le contenu était assez, disons, croyant pour la réalité du phénomène. Et même, il y avait un passage assez incroyable sur Roswell. Je ne pense pas que ça a fait beaucoup pour la crédibilité du phénomène. Au contraire, on peut dire que ça a décrédibilisé leurs auteurs. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une affaire, aussi bien documentée soit-elle, qui pourrait permettre de faire pencher la balance en tant que telle. Je pense qu'on a, c'est plutôt un ensemble de cas sélectionnés qui, ensemble, comment dire, pourrait permettre de penser qu'il y a une réalité peut-être différente, qu'il y a une réalité physique peut-être différente. On n'en a pas pour l'instant la preuve, on a dans le meilleur des cas des présomptions de peut-être l'existence de quelque chose, de, par exemple des phénomènes tels que la foudre en boule pourraient très bien être considérés comme des ovnis, des phénomènes rares atmosphériques, des choses comme ça pourraient très bien être pris pour des ovnis à juste titre par des témoins et par des enquêteurs, et pourraient très bien également éclairer la science sur un domaine peu connu. C'est une possibilité, il y en a d'autres. Aimé Michel était avant tout, pour comprendre son parcours, c'était avant tout un penseur, un philosophe. Et je crois qu'il faut... il est devenu, on pourrait dire, un petit peu par accident ufologue, et on le considère comme étant un des pionniers de l'ufologie, mais c'est un petit peu un accident de parcours. En fait, au début des années 50, donc, il est intéressé par de multiples sujets, dont les soucoupes volantes, qui est un nouveau thème. Il publie un ouvrage qui s'appelle « Hurle sous les soucoupes volantes » en 1954. On est en France en pleine vague de soucoupes volantes. C'est la plus grande vague qu'ait connue la France à cette période. On publie jusqu'à 60 notifications, observations par jour. Il y a des affaires d'atterrissage, des humanoïdes qui sont observés, etc. Donc il publie ce livre qui est un des deux premiers ouvrages publiés par des auteurs français. Et donc à ce titre, effectivement, on l'a considéré, à son corps défendant un petit peu, comme étant... l'un des pionniers de l'ufologie en France. Mais en fait, il situait les soucoupes volantes dans un cadre beaucoup plus large. Pour lui, c'était une façon de questionner le réel. Voici trois témoignages sincères. Les témoins ne sont pas des affabulateurs en mal de sensationnel. Ils relatent simplement les faits qui les ont bouleversés. Si parfois on peut penser que des phénomènes naturels hors du commun sont à l'origine d'une observation, que dire lorsqu'il reste des traces physiques sur les personnes? C'est le cas de Philippe Michon, de Sylvia Gros-Desormeaux et de Jean-Charles Hilde. J'avais à peine pris mon virage, j'étais à une vitesse de 45 km/h, que j'ai vu arriver par l'autre route une sphère de lumière rouge venir à grande vitesse. Et tout d'un coup, j'ai senti mon corps monter en température. Et croyant une combustion spontanée, j'ai regardé mes bras. Et de là, j'ai vu que j'étais éclairée du haut, du ciel. J'ai vu quelque chose, j'étais au milieu de la cour. Et j'allais pour sortir, donc je me dirigeais vers le portail et rejoindre mes petits collègues pour aller jouer. Et puis j'ai vu quelque chose venir, je sais pas, que j'ai vu avec le temps, c'est assez vague, mais un losange. Et dans ce losange, il y avait un autre losange, enfin, jusqu'à ce qu'il, en venant vers moi, donc il devienne de plus en plus grand. La campagne, tout s'est illuminé dans une couleur rouge-orangée. Et là, j'ai eu une impression de chaleur qui se faisait derrière moi. Je me suis retourné. Et là, cette sphère de lumière était sur la banquette arrière du véhicule. Comme si elle sautillait, comme si on me prenait la tête, ça m'a remis la tête face à la route que je prenais. Et à un moment donné, j'ai senti mon véhicule se soulever. Par rapport au piquet que vous avez là, c'était environ une hauteur d'un mètre. Et d'un coup, cette étoile, que je croyais être une étoile, s'est déplacée d'abord vers la droite, et après il y a eu un mouvement vers la gauche. Et d'un seul coup, elle est partie à une vitesse fulgurante vers le firmament. Tout était au ralenti, mes mouvements, ma bouche, bon. Et En me retournant, le phénomène en question, c'était plus un losange, c'était carrément, ça avait pris la forme d'un cigare. Et pareil, ça se, comment je pourrais dire, un cigare mais en position verticale. Et il s'éloignait par palier, donc il devenait de plus en plus petit. Mais comment je pourrais dire ça, il se dédoublait, oui, il se dédoublait, mais en s'éloignant de plus en plus. Je lui ai dit, mais écoute, je suis fatigué, je vais aller me coucher, je suis pas bien. Il me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu as sur ton cou? Et là, elle me dit, bah, arrête de te regarder dans un miroir. Et là, au moment où je me suis trouvé devant le miroir, je me suis retrouvé, bien sûr, avec tous des petits rectangles qui partaient depuis la hauteur des oreilles, tout autour, à intervalles réguliers, des rectangles rouges, comme un pincement, mais bien marqué. Et voilà, puis bon, moi, après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille m'allonger, je suis pas bien. Puis le lendemain matin, bien sûr, tout avait disparu. Et moi-même, j'ai pas eu idée de faire une photo ce soir-là. Aimé Michel est le fondateur de l'ufologie française. Mystérieux objet céleste, publié en 1958, sert toujours de référence. Mais c'est à Jimmy Guieu que l'on doit, dès 1954, le premier livre ufologique avec les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, publié au Fleuve Noir, et dont les illustrations de Branton restent inégalées. Je me souviens, en 1967, il m'avait amené à Cergy-Pontoise, est-ce que je me trompe? C'était Cergy-Pontoise, où il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Mais Jimmy, il n'était pas là quand ça s'est passé, mais il le racontait comme s'il était là. Il avait vu, il avait entendu, il avait senti ces personnes qui venaient d'ailleurs, hein, et il avait toutes les explications nécessaires. Écoutez, il affirmait tout cela avec une telle assurance que ça ne pouvait être que vrai. Et d'ailleurs, ça ne peut être que vrai, hein, puisque moi j'ai une confiance totale en Jimmy. C'était pas... Jimmy, c'était pas un rigolo. Loin s'en faut, c'était quelqu'un qui... C'était ni un rigolo ni un scientifique, hein. Mais c'était quelqu'un de réfléchi, de posé, de méticuleux, de minutieux, qui menait des enquêtes, et les enquêtes aboutissaient toujours vers un résultat. On allait avec lui au bout du monde, au-delà du monde, mais on revenait toujours à la maison. Hein, Quand j'écoutais Jimmy avancer ses arguments, j'étais obligé de dire « oui, je crois », parce que ces arguments étaient irréfutables. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toutes les informations qui sont recueillies de ci, de là, par des gens sérieux, des pilotes d'avion, des gens sérieux, hein, pas des farfelus, pourquoi toutes ces informations qui sont traitées, le savons-nous, ne sont pas communiquées au grand public. C'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui me ferait croire qu'il faudrait y croire. Parce que si on le cache et si on ne dit rien, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Mais bon, j'attends pour voir, et en tout cas, s'ils nous regardent, qu'ils soient les bienvenus. Il y a toujours à boire, à manger, à la maison. Jimmy, c'est d'abord quelqu'un qui nous a étonnés par ce qu'il était, parce que c'était quelqu'un qui ne ressemblait pas à nous autres. J'ai d'ailleurs toujours cru que Jimmy était un extraterrestre. D'ailleurs... Quand on est jeune, on ne voit pas vieillir tant que cela les autres. Et Jimmy, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu vieillir. Je me suis dit, tiens, Jimmy, c'est un extraterrestre. Parce qu'il avait des façons autres que nous d'envisager la vie, de voir des choses, de savoir des choses. Il avait des informations sur un paquet de trucs qui nous intéressaient énormément. Quand Jimmy a parlé des petits hommes gris, qui étaient des gens plutôt négatifs, et qui risquaient d'être peut-être une gêne pour la race terrestre, c'est quelque chose qui m'a déplu un peu. J'ai toujours eu dans l'idée que les grands frères qui venaient de loin, de l'espace, de cet univers qui entretient mon rêve permanent, c'était des êtres d'une immense bonté, pleins de lumière, d'une sagesse hors du commun, et capables de tout m'apprendre, de m'apprendre l'amour que je n'ai pas suffisamment donné aux autres, capables de m'apprendre... toutes ces techniques qui me font rêver et que j'aime par-dessus tout, j'adore les techniques. Toute l'imagination qui est la mienne et que je n'aurai jamais suffisamment, je rêve d'avoir une imagination plus grande que celle-là. Parce que si on essaye de rentrer dans le problème extraterrestre, on peut se dire que l'humain a une imagination trop pauvre pour essayer d'imaginer toute la grandeur, l'immensité et le côté génial de ce que sont les extraterrestres. Et donc je suis désespéré que mon imagination n'aille pas plus loin. Donc je me dis que un jour peut-être, et d'ailleurs heureusement on a vu de très bons films qui sont allés dans ce sens-là, hein, Rencontre du troisième type, etc. Tout ce bonheur d'aller à la rencontre de l'autre, de celui qui est plus fort, plus grand, plus merveilleux, et puis tout d'un coup de soi-même, de s'améliorer, qu'il vous donne les 2 ou 3 marches qui vont vous permettre d'aller vers eux. En France, l'étude du phénomène OVNI fut par le passé l'œuvre d'Aimé Michel, de Jimmy Guieu, de Jacques Vallée et de Jacques Bergier. Aujourd'hui, Jean Sider, Stéphane Alix, Thibaut Canouti, Guy Tarade continuent de proposer des hypothèses. Ah, cette affaire de Marignane, vous savez, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est un atterrissage qui a eu lieu sur la piste du premier aéroport, par celui que nous connaissons aujourd'hui. Et il y avait un douanier qui était en train de patrouiller entre 2 hangars lorsqu'il a été survolé par un engin qui était à très faible altitude. Si mon mémoire est toujours intacte, il s'appelait Guy Quinchard, je crois. Il a sorti son revolver, mais ce n'a pas été le seul témoin. J'ai eu l'occasion par la suite de rencontrer à Nice un personnage qui avait été présent, mais qui a toujours voulu garder l'anonymat. Cet atterrissage a eu des conséquences assez intéressantes, car en effet, sur le point précis où l'objet s'est posé, on a retrouvé des pièces métalliques qui ont été très rapidement récupérées par les services secrets français. Et l'affaire de Trans-en-Provence? Alors Trans-en-Provence, voilà encore une affaire qui est une affaire assez curieuse. On a fait courir tous les bruits sur M. Renato, qui était le propriétaire de ce lieu où l'objet est venu et a buté sur une restanque. Alors là encore, je crois qu'il faut approfondir toujours les... Vous savez que lorsqu'on fait une enquête, il faut remonter aux origines. Et il faut prendre, je dirais, remonter au passé. Et il y a un membre des services de renseignement qui n'est plus dans le métier à l'heure actuelle, qui lui est reparti à zéro, a repris l'enquête à zéro. Et il s'est aperçu que cet engin, ou cet objet, appelons-le comme on veut, semblait avoir été programmé pour suivre une route bien précise. Il a repris les cartes de l'époque du siècle dernier, pourrait-on dire, le siècle d'avant, du XVIIIe siècle, et il s'est aperçu que l'objet avait suivi une route qui aujourd'hui n'existe plus, qui était totalement effacée. Alors lui, il en a tiré la conclusion que peut-être que cet engin avait été programmé pour suivre un parcours bien déterminé, et que, ma foi, il avait été trompé par la modification du terrain entre la première fois où il était venu, où il s'était manifesté, et lorsqu'il est venu et qu'il s'est craché sur le terrain de M. Renato. L'affaire Mantel, on la connaît très bien, c'est l'histoire de ce pilote qui avait été envoyé avec son Mustang P-51 au-dessus de Fort Knox, qui est la réserve d'or des États-Unis. Et le capitaine Mantel était en patrouille avec 2 autres chasseurs, et lui seul est monté à la rencontre de cet engin qu'il a décrit comme un énorme disque argenté. Et au moment où il a été pour l'intercepter, toutes les communications radio ont été coupées et on a retrouvé les traces de son appareil sur, je dirais, des dizaines de kilomètres carrés de surface. Le corps du pilote n'a jamais été retrouvé. Après plus de 50 ans de recherche, je ne peux vous dire qu'une seule chose. Le phénomène existe, c'est un phénomène intelligent, il n'est pas d'origine humaine. Et il y a eu des contacts entre l'intelligence qui manipule le phénomène et des terriens. Maintenant, il ne faut pas voir les ovnis sous la forme de tôle-boulon. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai effacé depuis longtemps. Je pense que nous sommes peut-être en face des vecteurs qui remontent le temps, qui viennent d'une dimension parallèle, que la physique quantique nous révélera un jour ou l'autre. Les ovnis ne sont peut-être que des hologrammes pouvant prendre les formes les plus étranges, se multipliant à l'infini, dans l'espace et le temps, projetés par une force incroyablement puissante et invincible, la vie. Et si la solution du mystère passait par l'humour de Jacques Bergier? Les ovnis, disait-il, ne sont rien d'autre que des hallucinations collectives provoquées par des extraterrestres. En fait, cette boutade est encore plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il est fort possible, en effet, que nos visiteurs nous leurrent en testant tout simplement notre ignorance grâce à des images virtuelles. Jacques Bergier pensait à un univers multiple, un multivers, où réalité et imagination sont interdépendantes. Au fond, il y aurait deux mondes. Un premier cercle univers, composé par l'incessant dilatement cosmique, la ronde éternelle des galaxies et de la vie, puis un autre cercle qui engloberait le premier, celui des mythes, du merveilleux et du rêve, ouvert de temps à autre à notre réflexion et dont les ovnis seraient les messagers. La littérature et notamment le mouvement surréaliste intégrèrent les ovnis à leur imaginaire. Salvador Dali et Jean Cocteau s'enthousiasmèrent lors des grandes vagues soucoupistes des années 50 et 60. Howard Phillips Lovecraft, ce grand génie venu d'ailleurs selon Bergier, imagina dans ses nouvelles la présence sur Terre de dieux effroyables et archaïques. On avait envie à la maison d'ailleurs en fait, de rendre un hommage un peu particulier à Howard Phillips Lovecraft pour les 70 ans de sa mort. En fait. Célébrer sa mort, c'est peut-être plus important encore de célébrer sa naissance à Lovecraft. Et plutôt que faire l'exposition uniquement sur Lovecraft lui-même, sur sa vie, sur ses écrits, ce qui était un peu difficile aussi, l'idée c'était plutôt de faire l'exposition Lovecraftienne, à savoir qui rend hommage, comme il l'aurait voulu peut-être, à savoir qui utilise les idées qu'il avait pu avoir et qu'il distribuait généreusement en fait, à ses amis et à ses connaissances et les distribuer nous plus loin à des illustrateurs et des écrivains. Donc on a pris ce document qui s'appelle le livre de raison, qui est un livre de notes, il y a 220 notes à peu près qu'il a écrites entre 1919 et 1934 et qui décrivent des idées en fait, devant être développées par la suite dans de la fiction courte ou longue. Donc on a donné ces courtes notes. Et les gens ont pu faire ce qu'ils ont voulu avec ça. Donc il y a une centaine d'illustrateurs, près de 500 images, il y a de la musique, des textes, des films, tout ça dans une atmosphère un peu Lovecraftienne, étrange comme ça. Parfois un peu ironique, parfois un peu décalé, mais parfois assez sombre aussi. Alors le mythe, la cosmogonie, on va dire, Lovecraftienne est très importante évidemment pour la Maison d'ailleurs, puisque contrairement à ce qu'on imagine parfois, Lovecraft, c'est pas un écrivain de fantastique, véritablement, c'est vraiment un écrivain de science-fiction qui est passionné par les théories de l'évolution, par la théorie de la relativité d'Einstein, qui est un fan d'astronomie, c'est un astronome amateur, si on veut, qui a passé des longues heures à observer le ciel, et qui imagine que le monde autour de nous n'est pas du tout connu, c'est un monde très étrange, et quand on va commencer à le connaître, eh bien, on va être horrifié. Et c'est ça, c'est véritablement l'idée que la science va nous révéler des choses non pas forcément positives, c'est un anti-Jules Verne, en tout cas dans l'image qu'on s'en fait, c'est pas le chantre du progrès, c'est plutôt la crainte du progrès, Lovecraft, c'est plutôt traditionaliste quelque part dans ses vues politiques également, et nous on avait envie de montrer quelque chose qui était plutôt lié justement à la science-fiction pure et dure, en disant voilà ce qu'on peut montrer autour de nous, ce qu'on peut avoir autour de nous, juste au coin de l'œil sans qu'on puisse vraiment s'en apercevoir. C'est ça l'esprit Lovecraftien, c'est se dire qu'il y a des dimensions juste hors de notre portée, mais si on connaissait en fait les moyens d'y accéder, eh bien on verrait des choses tout à fait affreuses, qui sont plutôt de l'ordre de l'extraterrestre ou de la créature d'autres dimensions que de dieux anciens. À la Maison d'ailleurs évidemment un rayon ufologique, on est lié un peu par la bande à l'ufologie d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que moi je vois la science-fiction comme un outil d'exploration du réel, c'est un genre rationnel, hein, et que dans l'ufologie on est plutôt dans on va dire dans l'irrationnel, mais dans la croyance, hein, que ce soit sans aspect péjoratif du tout. On peut dans cette situation où soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et bien moi j'y crois dans les livres, je pense que les surcoulantes existent dans les films et dans les livres, et c'est là où moi elle m'intéresse, pourquoi est-ce qu'elles apparaissent dans les films ou dans la documentation que nous on peut avoir. Maintenant, si elles apparaissent ou non dans la réalité, c'est peut-être un autre domaine qui nous concerne moins, mais qui nous intéresse aussi, puisqu'évidemment il y a des connexions tout à fait fréquentes entre ces deux éléments. faut savoir déjà que les films d'extraterrestres sont essentiellement hollywoodiens. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, il y a bien des films russes, hein, comme Aelita par exemple, mais c'est vrai que c'est un cinéma qui est essentiellement hollywoodien. Et ce qu'on s'aperçoit, alors c'est aussi la thèse d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Valentin, qui a travaillé sur Hollywood, le pouvoir et le Pentagone, hein, et qui montre bien que en fait, ces films-là sont instrumentalisés. Ce sont un petit peu ce qu'on appelle, ce que Valentin en tout cas appelle, des films de sécurité nationale. Alors, il parle peu des films d'extraterrestres, des films d'OVNI dans son étude, mais c'est un petit peu le même processus. En fait, derrière, on retrouve un petit peu le McCarthyisme, la peur de l'ennemi soviétique en l'occurrence, ennemi de l'intérieur, puisque très souvent, on le voit, c'est le cas dans Invaders from Mars, c'est le cas dans beaucoup d'autres, ça va être vraiment le schéma de beaucoup d'autres films jusqu'au très récent avec Nicole Kidman, Invasion, qui reprend le même thème. C'est l'ennemi ressemble à l'humain, il est caché parmi nous, donc c'est d'autant plus inquiétant et c'est d'autant plus difficile de le voir. Hein, c'est un ennemi qui est finalement très proche de l'humain. Oui, elle s'est adoucie avec notamment des films comme Rencontre du troisième type. En fait, ça commence un petit peu avec les années 70 et là on est plus dans le discrédit de la politique américaine, de la chose politique aux États-Unis. Hein, ça suit le Vietnam, le Watergate, différentes affaires comme ça, qui ont tendance à faire que l'extraterrestre devient plus, en tout cas, digne de confiance que les politiques eux-mêmes. Alors on retrouve ça dans Le jour où la Terre s'arrêta, déjà dès les années 50, hein, où l'extraterrestre qui vient nous voir pour des raisons plus ou moins pacifiques, écologiques. Hein, c'est des discours qu'on retrouvait dans la bouche des contactés. Et qu'on retrouve, le cinéma finalement s'en fait l'écho. Avec les années 70, effectivement, même si on retrouvera dans les années 80-90 des grosses artilleries hollywoodiennes avec le thème de l'invasion, mais en tout cas, on a pour la première fois ce renversement de tendance où les extraterrestres sont soit à l'égal de Dieu, comme dans 2001 ou peut-être même dans Solaris par exemple, des sauveurs, des frères cosmiques dotés d'une grande sagesse, ou en tout cas des gens qui vont nous aider ou qui nous ont peut-être déjà aidés au fil de notre évolution. C'est autant de thématiques qu'on retrouve dans beaucoup de films. Ce qui ressort en tout cas du phénomène OVNI, ça je pense que la plupart des gens qui ont étudié cette question-là sont à peu près d'accord aujourd'hui pour en arriver à cette conclusion. Il existe un résidu de cas, un reliquat assez court finalement, hein, peut-être entre 1 et 5%, peut-être même moins que ça, qui renvoie à quelque chose de profondément exotique. Après ça, on rentre un petit peu dans des querelles byzantines, dans des débats d'experts. Alors, est-ce que c'est finalement des objets, est-ce que ce sont des objets faits de nuts and bolts, comme disaient les Américains, c'est-à-dire tôle et boulons, est-ce que ce sont des objets purement matériels, des objets faits d'ingénierie, hein, des engins? Est-ce que ce sont des animaux? Est-ce que ce sont des hologrammes? Est-ce que ce sont des sondes assez frustres? Est-ce que ce sont des corps éthérés, comme certains le disent? Là, honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse. Et en tout cas, les réponses que pourrait nous apporter la technologie, donc par exemple les éco-radars ou les choses comme ça, sont assez frustres. On a des cas où les observations laissent des éco-radars, on a des cas où ils n'en laissent pas, alors qu'ils sont vus, observés par des témoins fiables. C'est très très difficile de tirer des conclusions. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que des gens comme Jean-Pierre Petit, par exemple, ont pu démontrer que des problèmes technologiques, comme par exemple le bang supersonique, hein, pouvaient être réglés. Donc la théorie de l'hypothèse extraterrestre dite au premier degré, c'est-à-dire des engins qui viendraient de l'extérieur, reste toujours valide. Et Walter Haut, c'est un des témoins fondamentaux de l'époque. Donc c'est vrai que ce qu'il dit est particulièrement important. Lui, il va être très lié aussi à la divulgation de l'affaire dès ses origines, hein, au cover-up. Donc lui, ce dont il témoigne finalement, c'est d'une dissimulation. Hein. C'est ça qui est le plus important dans ses témoignages. C'est quand même quelqu'un qui a fait une belle carrière militaire. Il y a des chercheurs américains qui sont allés fouiller, qui sont allés retrouver notamment les proches de Walter Haut. Walter Haut lui-même d'ailleurs a confirmé ses dires jusqu'au bout. Donc c'est quand même assez délicat lorsqu'on a d'assez hauts gradés, parce que je crois que Walter Haut termine comme général, donc assez haut placé dans la hiérarchie militaire. C'est toujours particulier lorsque quelqu'un d'aussi haut placé avance ce type de propos. Alors c'est une preuve de rien comme toujours. Dans le phénomène OVNI, on ne peut jamais rien prouver, quoi que ce soit. C'est bien ce qui est gênant d'ailleurs, et ce qui est fascinant en même temps. Claude Bernard disait que lorsque l'on rencontre un fait qui ne s'accorde à aucune théorie, il faut abandonner la théorie et se rapprocher du fait. En cas d'observation, la gendarmerie va se déplacer et au vu des dires du témoin, nous allons essayer de mentionner l'heure, le lieu exact de la constatation des faits, la forme et les caractéristiques essentielles des objets aperçus, la couleur, la brillance, les conditions d'évolution du phénomène. Ensuite, si c'est toujours visible, à partir de ce moment-là, le gendarme va prendre des clichés photographiques à l'aide d'un appareil de diffraction optique dont les unités sont dotées. Il va le signaler dans son procès-verbal et cette pellicule va rester dans l'appareil photo. Il sera remis au Cepra. Est-il vrai que dans le memento du gendarme, vous avez un document qui représente une soucoupe volante ? Oui, c'est un peu le côté humoristique du memento du gendarme, qui est une aide pour des gendarmes quand ils sortent d'école ou autre, et qui vont avoir avec eux pendant tout le long de leur carrière. Donc ça leur permet, devant des situations nouvelles, de pouvoir aller feuilleter ce document. Et puis c'est un petit dessin humoristique pour pouvoir dire, bon, ben, éventuellement, si vous êtes confronté à ce type de phénomène ou d'une personne se présente, il a cette petite rubrique pour pouvoir le orienter et le guider dans ses constatations et sa manière de faire. Le ciel était lisse comme la pierre d'un lavoir. La limpidité du ciel de Provence a inspiré cette phrase sublime à Jean Giono. Les nuits étoilées de Saint-Michel rendirent propice la création de l'Observatoire de Haute-Provence. On est loin de la cosmologie, c'est le paradoxe de Fermi. C'est une remarque qu'il y avait lorsqu'on regarde la vitesse à laquelle nous-mêmes nous déplaçons vers une planète avec une fusée, tout bêtement. Et on peut aller comme ça de planète en planète, voire de planète vers des étoiles. Et on s'aperçoit qu'il faut, je ne sais plus si c'est quelques centaines de milliers d'années, ou peut-être quelques millions d'années pour coloniser toute la galaxie. Mais finalement, cela va très vite par rapport aux milliards d'années qu'il faut pour fabriquer une planète et pour fabriquer l'homme. Donc ce que disait Fermi, c'est que si une civilisation est sortie de son étoile haute, comme nous, et a commencé à s'étendre dans toute la galaxie, dans ce cas-là, il devrait être chez nous. Donc sa grande phrase, sa grande interrogation, c'était « mais où sont-ils » C'est-à-dire que, par exemple, vous devez être un extraterrestre. L'équation de Drake, c'est une équation de probabilité. Drake s'était penché sur la probabilité pour qu'il y ait une autre civilisation comparable à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a un terme pour dans quelles conditions apparaît la vie. Il faut qu'il y ait une atmosphère qui soit propice à la vie, donc ça donne déjà une probabilité relativement faible. Il faut qu'il y ait une planète qui soit dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près. Il y a tout un tas de... Donc c'est une espèce de grande, pas somme, mais de multiplicateurs. Il y a tout un tas de facteurs qui sont tous proches de zéro. Et quand on arrive, bon, on n'en connaît pratiquement aucun d'ailleurs, on peut en mesurer aucun, mais quand on y arrive, on a une probabilité extrêmement faible d'avoir une autre civilisation ailleurs. Mais il avait essayé donc de quantifier en gros la probabilité pour que la vie se soit développée ailleurs. Alors, aller plus vite que la vitesse de la lumière, on ne sait pas faire avec, on va dire, un mobile. Par contre, avoir quelque chose qui, au fond, se retrouve là où on ne l'entendait pas, ça c'est possible, pas tellement dans le cadre de la relativité, dans le cadre plutôt de la microphysique avec la mécanique quantique. De là à déplacer tout un mobile, pour l'instant on sait éventuellement déplacer un électron, enfin, ou le retrouver où on ne l'attendait pas, de manière probabiliste, mais on ne sait pas encore déplacer tout un véhicule spatial à des années-lumière d'ici. La cosmologie n'apporte pour l'instant aucune réponse définitive quant à la forme de l'univers. Cependant, les récentes découvertes d'exoplanètes laissent à penser que vraisemblablement la vie existe ailleurs. L'idée c'est que si une planète tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, eh bien par chance il peut arriver que cette planète passe devant l'étoile. Et à ce moment-là, en passant devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière de l'étoile et depuis la Terre, on va voir l'éclat de l'étoile qui va diminuer un petit peu pendant quelques heures le temps que la planète passe devant l'étoile. Et en l'an 2000, donc il y a 7 ans maintenant, on a découvert comme ça la première planète extrasolaire par la technique des transits. C'était autour de l'étoile HD 209-458. Et c'est la première fois qu'on détectait par cette technique une planète autour d'une autre étoile. Avec les expériences, qui sont en orbite, les manips spatiales, les satellites en orbite, comme Corot ou dans quelques années Kepler, qui va être lancé par la NASA, ces observatoires spatiaux vont avoir une précision photométrique très grande, c'est-à-dire ils vont être capables de mesurer la variation de brillance de l'étoile devant laquelle passe la planète ou quelque chose d'autre, avec une très très grande précision. Et on peut montrer par le calcul, par des simulations numériques, on peut montrer que si l'objet n'est pas une planète, c'est-à-dire n'est pas un objet sphérique, mais par exemple une forme triangulaire ou rectangulaire qui tourne sur elle-même ou quelque chose comme ça, eh bien la courbe de transit, la diminution d'intensité lumineuse de l'étoile est différente de celle d'un astre sphérique. Ça m'a donné l'idée justement de dire que s'il existe autour d'autres étoiles, sur des planètes, des civilisations technologiquement avancées, plus avancées que nous en l'occurrence, qui seraient capables de construire dans l'espace des structures de la taille d'une planète, hein, comme l'étoile de la mort dans Star Wars, eh bien on pourrait depuis la Terre, enfin disons avec les observatoires spatiaux qui sont en orbite actuellement, qui vont être en orbite d'ici 2 ou 3 ans, on devrait être capable de les détecter. Donc on a des outils actuellement en orbite qui vont nous permettre de dire si oui ou non ces civilisations extraterrestres intelligentes, technologiquement très avancées existent ou sont très courantes dans la galaxie ou pas. Oui, alors l'exobiologie, c'est un domaine scientifique multidisciplinaire qui regroupe aussi bien des astronomes que des géologues, que des gens qui s'occupent de planétologie, que des chimistes, que des biologistes, et qui cherche à répondre à la question: existe-t-il de la vie en dehors de la Terre, sur les planètes, autour des autres étoiles? Donc aujourd'hui, on cherche toujours cette vie extraterrestre, on ne l'a pas trouvée. On la cherche dans le système solaire, depuis des années on la cherche sur Mars en particulier. Et un des volets du travail qu'on fait ici à l'Observatoire de Haute-Provence, c'est d'étudier la Terre comme un modèle de planète extrasolaire de type terrestre, justement. Et on sait aujourd'hui que la végétation terrestre laisse dans la signature spectrale de la Terre une signature bien caractéristique de la végétation. On a suggéré avec des collègues parisiens que si un jour sur une exoplanète on voyait cette signature spectrale dans le spectre d'une exotère, eh bien on pourrait suggérer, ou disons mettre sur la place publique, ouvrir le débat de est-ce que cette signature spectrale est la signature d'une végétation extraterrestre qui serait semblable à la nôtre. La présence d'extraterrestres aux confins de l'univers étonnera certains. Pourtant, de nombreux pilotes de ligne vous diront qu'ils sont déjà parmi nous. Le document que vous allez voir est la reconstitution par Nippon TV de ce qui s'est passé à bord d'un Boeing 747 de la Japan Airlines, poursuivi par un ovni au-dessus de l'Alaska le 17 novembre 1986. Selon le capitaine Teraoshi, la poursuite a duré 50 minutes sur le vol Paris-Tokyo. Vers 17h10, le pilote aperçoit soudain une lumière orange. Le fait est confirmé par la tour de contrôle d'Anchorage. Puis, 2 lumières, puis plusieurs, se rapprochent de l'appareil. À l'intérieur, les 3 hommes d'équipage ressentent une forte chaleur. « 20 minutes après, deux lumières blanches apparaissent, tandis que le radar de bord indique la proximité d'un énorme objet. Il se met à suivre l'avion vers la ville de Fairbanks. Grâce aux lumières de la ville, l'équipage médusé voit apparaître un engin 30 à 40 fois plus gros que le 747. La tour de contrôle propose au pilote de faire intervenir un bombardier. Non, répond-il, vu la proximité de l'OVNI, ce serait trop dangereux. Par contre, un Boeing de United Airlines doit croiser le cap du 747 japonais. Vers 18 h, lorsque celui-ci s'approchera du premier appareil, la sphère immense disparaîtra. De ce vaste champ d'investigation, terre creuse, crop circle, mutilation animale, mythe de Thulé, de l'hyperborée, de Shambhala, univers multidimensionnel, engins du futur, entités vivantes, voire divines, on pourrait s'y perdre. Il ne reste pas moins que les hommes les plus influents de la planète ont au cours de leur vie évoqué la présence des ovnis. Mikhail Gorbatchev, le phénomène ovni existe et il faut s'en occuper sérieusement. Vice-amiral Roscoe Ilancoether, ancien directeur de la CIA, ces objets inconnus sont sous contrôle intelligent. Werner von Braun, nous nous trouvons face à des puissances qui sont beaucoup plus fortes que ce que nous avions jusqu'ici estimé et dont la base est en ce moment inconnue de nous. Kennedy, Gordon Cooper, Barry Goldwater, le général Nathan Twining étaient ou sont persuadés de leur existence. Voici la dernière déclaration de l'astronaute américain Edgar Mitchell. Le Pentagone a toujours caché la vérité sur les ovnis, et en particulier sur la découverte à Roswell d'un vaisseau et de ses occupants d'origine extraterrestre. Selon Shell Drake, derrière la structure de l'univers et la configuration des formes se cacherait un modèle dynamique plutôt que statique. Le monde serait une entité continue, ce qui en affecte une partie en affecterait une autre. L'univers serait en fait confronté à une interdépendance permanente de ses innombrables dimensions. Le phénomène ovni en serait peut-être la synthèse et le lien. L'ovni de demain aura sans doute un autre visage que celui qu'il nous présente aujourd'hui. Du monolithe initiatique de 2001 à la merveilleuse soucoupe d'Adamski, on aspire toujours à la même transcendance. Lorsque nous serons prêts, lorsque l'homme aura assimilé son message, l'OVNI prendra certainement sa forme définitive. Entre-temps, le voyage ne fait que commencer. Ah oui, la surprise. Mon nom est Walter Haut. Mon nom est Walter Haut. En juillet 1947, j'étais en poste à la base aérienne militaire de Roswell comme officier de relations publiques. Je venais de passer le week-end du 4 juillet à ma résidence privée à environ 10 miles au nord de la base située au sud de la ville. J'ai appris au milieu de la matinée de mon retour au service le lundi 7 juillet que quelqu'un avait fait état de restes d'un engin qui s'était écrasé. J'ai été informé que le major Jesse Marcel, chef du renseignement, avait été envoyé par le commandant de la base, le colonel William Blanchard, pour enquêter. Avant de quitter la base, le colonel Blanchard m'a emmené personnellement au bâtiment 84, connu sous le nom du hangar P3. En approchant du bâtiment, j'ai observé qu'il était étroitement gardé, aussi bien au dehors qu'à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, j'ai été autorisé à observer pour la première fois les objets récupérés juste au nord de la ville. Cela faisait environ 12 à 15 pieds de longueur et environ 6 pieds de haut, et l'ensemble faisait penser à un œuf. L'éclairage était faible, mais sa surface m'a semblé métallique. J'ai pu voir deux corps sous une bâche en toile. Seules les têtes dépassaient de la bâche et je ne pouvais rien voir du reste des corps. Les têtes m'ont semblé plus grandes que la normale et la disposition de la bâche suggérait qu'ils avaient la taille d'un enfant de 10 ans. Je suis convaincu que ce que j'ai observé était une sorte de vaisseau avec son équipage venu de l'espace. Je n'ai pas été payé ni reçu quoi que ce soit de valeur pour faire cette déclaration et c'est la vérité selon mes souvenirs. Mais c'est quand que vous débarquez? L'extraterrestre, c'est par définition celui qui n'habite pas sur Terre. Dans le film de science-fiction, il symbolise l'autre, l'inconnu qui fait peur. Mais l'extraterrestre pousse l'homme à s'interroger sur ce double qui lui ressemble. Des dieux grecs à Méphisto, des anges déchus au génie que la bouteille, l'homme a toujours eu besoin de donner un corps et un visage à ce qu'il ne connaissait pas. Au début, l'extraterrestre lui ressemblait. Une tête, deux bras et deux jambes. Mais côté mode, c'était pas ça. L'extraterrestre portait d'étranges vêtements pas toujours confortables. Puis est vite arrivé le temps où l'extraterrestre ressemblait à tout et à rien, servant d'exutoire à l'imagination débordante des auteurs. Et pourtant, extraterrestre, mon frère. Figure dominante de la science-fiction, l'extraterrestre se présente forcément sous une forme amicale ou hostile. Il a des pouvoirs, lit dans vos pensées, déplace des objets à distance et voyage plus vite que votre ombre. This is the beginning of the process by which we read the brain for the infinitely indexed memory bank. Il existe deux catégories d'extraterrestres, le bon et le méchant. Le bon a la taille d'un enfant, il a une petite voix et pointe sa main vers le ciel en criant « Maison, maison !» Parfois, il cherche à communiquer, vous regarde avec ses grands yeux mouillés et tend ses 12 doigts pour montrer qu'il n'est pas armé. Il attend que ses copains viennent le rechercher car il est tombé par hasard sur Terre. Le méchant, lui, vient exprès vous envahir. Il vient s'installer chez vous, sans que vous ayez votre mot à dire, boit votre whisky et tente de séduire votre femme. Voilà la fameuse soucoupe volante de Bélesta, une simple roue de vélo et des lampes de poche fixées sur les rayons. Le 16 octobre 1954, en manque d'animation, ces jeunes compères ont eu l'idée de ce stratagème. Et on la faisait voir comme ça, et puis on se la passait, de l'un à l'autre et on la cachait, on le faisait comme ça et puis voilà. Sur les hauteurs du massif de Millet, surplombant le village, les lampes de poche recouvertes de papier de bonbons colorés se sont transformées en boules lumineuses. Le vélo est devenu ovni. Dans la vallée, tout le monde était réuni pour un concours de belote. La rumeur s'est propagée. Ah oui, alors là, ça avait marché 100%. Hein. Quand on est arrivé ici, il y avait même des jeunes filles qui étaient en pyjama. Hein. Donc on a vu un attroupement sur site, on a compris de suite que les gendarmes avaient été prévenus. Et pour renforcer la crédibilité de l'histoire, une étoile filante a traversé le ciel au même moment. Dans les années 50, il est vrai, les journaux faisaient souvent état de soucoupes volantes. À l'époque, il y avait tellement d'ovnis qui se voyaient dans toute la France, alors on a dit, bon, eh bien, on va en faire un, quoi. C'est tout. Le canular a tellement bien marché que l'ovni a alors fait la une du journal local. Et dans les rues du village, on en parle encore. Bon, c'est des jeunes qui faisaient les imbéciles, sûrement. Eh bien, Marcos, des ovnis. Ça fait une grosse animation, ça, les grands-parents nous l'ont raconté, tout ça. 55 ans plus tard, c'est parce que l'OVNI est toujours cité dans certains livres que nos papis farceurs ont décidé d'avouer et de révéler le mystère de la soucoupe volante de Bélestin. Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir sur cette émission spécialement consacrée à tous ces phénomènes aérospatiaux non identifiés qu'on appelle communément les ovnis. Peut-être que vous-même d'ailleurs en avez déjà vu dans le ciel. Et j'imagine certains déjà sourire à l'évocation du mot ovni. Et bien après les témoignages que vous allez entendre ce soir, après les reportages, après les témoignages des scientifiques et également des spécialistes du sujet, peut-être vous ferez-vous une toute nouvelle opinion sur ce sujet. Bienvenue à tous sur Direct 8 pour cette grande soirée spéciale consacrée aux ovnis. Alors devant des milliers de témoignages recensés depuis plusieurs années, eh bien effectivement le sujet ovni, il fallait qu'on s'y intéresse. C'est ce qu'on va faire de façon sérieuse au cours de cette émission. Avant de vous présenter les invités de ce soir, voici résumé en quelques images ce que vous allez voir au cours de cette soirée. Il serait des milliers dans le monde à avoir aperçu des ovnis dans le ciel. Vous entendrez les témoignages saisissants de pilotes et de militaires qui ont été confrontés à un tel phénomène. Certains ont accepté de témoigner pour la première fois sur notre plateau. L'étude scientifique des ovnis a-t-elle pu nous faire découvrir de nouvelles technologies? Des scientifiques de haut niveau nous feront part de leurs opinions. Comment se comportent les autorités face à la question ovni? En France, une lettre ouverte écrite par des spécialistes a été envoyée au gouvernement en avril 2008. Nous en parlerons. Depuis plus de 40 ans, les États-Unis refusent de s'exprimer sur le sujet ovni. Ont-ils réellement cessé leurs études sur le sujet, comme ils le déclarent officiellement? En Europe, des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils nous expliqueront lesquels. Certains n'hésitent pas à tourner le sujet ovni au ridicule. Nous reviendrons sur l'affaire des Lumières de Phoenix aux États-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi. Dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres, comment réagirions-nous? Des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission. Alors les langues commenceraient-elles à se délier sur le sujet? Pour en parler avec nous ce soir, le scientifique Jean-Pierre Petit. Bonsoir, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, auteur de plusieurs ouvrages dont OVNI et Armes secrètes américaines aux éditions Albin Michel. Et puis vous sortez votre dernier bébé, OVNI, le message, édité par vous-même très récemment. Quel message? On en parlera au cours de cette émission. Également avec nous, Jacques Krine. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve, dans votre carrière beaucoup d'activités, pilote de chasse dans l'armée de l'air, ancien leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et instructeur sur Airbus, et vous cumulez plus de 18 500 heures de vol, et vous avez un témoignage très intéressant à nous livrer, on en parlera dans quelques instants. Daniel Michaud, bonsoir. Vous êtes pilote d'essai d'hélicoptère, chef de brigade vol à vue et vol aux instruments, et vous aussi, vous avez été témoin d'un phénomène ovni qui restera gravé à jamais dans votre mémoire. C'était dans les années 70, début des années 70, vous nous direz tout dans quelques instants. Gilles Pinon, bonsoir. Dois-je vous appeler contre-amiral? Ça ira? Non. Contre-amiral de réserve, en tout cas, c'est votre titre dans la marine. Spécialiste des ovnis, vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Il y a un an, vous avez envoyé une lettre ouverte au président de la République, Nicolas Sarkozy, sur le sujet. On en reparlera. Et enfin, avec nous, Patrice Desmazeries. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur, et vous avez enquêté durant environ un an sur le sujet ovni, et vous avez réalisé le documentaire OVNI Quand l'armée enquête, produit par TV Presse et diffusé sur Canal+, il y a un an. Et vous avez d'ailleurs filmé un phénomène justement aérospatial non identifié à Hessdalen. On en reparlera au cours de cette émission. Alors avant d'écouter tout de suite les témoignages de deux grands personnages, Jacques Krine et Daniel Michaud tout de suite, je vous propose de découvrir, pour se plonger dans le sujet, ces quelques images. Dater le début des apparitions d'OVNI est un exercice périlleux. Mais les premiers cas qui ont été étudiés remonteraient au début du XXe siècle. Dans la nuit du 25 au 26 février 1942, des objets lumineux sont apparus dans le ciel de Los Angeles. Pour la première fois, un ovni est visible par des milliers de personnes. Le 8 juillet 1947, c'est l'affaire Roswell. Au Nouveau-Mexique, un fermier découvre dans son champ des débris qui semblent être tombés du ciel. D'après les premières conclusions de l'armée américaine, il s'agit d'une soucoupe volante. Et finalement, changement de version, elle certifiera ensuite qu'il s'agissait d'un ballon-sonde. Les témoignages d'OVNI ne cessent de se multiplier. Selon l'ONU, 150 millions de témoignages ont été recensés dans le monde depuis 1947. À un moment donné, j'ai levé les yeux, mais vraiment pile au-dessus de ma tête, et à ce moment-là, j'ai vu en fait une forme... un triangle qui paraissait métallique, qui a glissé en fait dans les airs en fait au-dessus de moi. Certains restent perplexes. Je dois dire que j'y crois pas véritablement. Ça me paraît trop invraisemblable, quoi. Je pense que c'est beaucoup de gens qui se font des films et qui aiment bien croire aux extraterrestres. Selon le GIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qui dépend du gouvernement français, 28% des témoignages d'OVNI ne trouvent pas d'explication rationnelle. Aujourd'hui, les ovnis et les extraterrestres sont devenus des thèmes très en vogue. Au cinéma ou à la télévision, l'imagination est débordante. Bien loin de ces fictions, de plus en plus de personnes se sentent réellement concernées, comme en France où les interrogations fusent. Qu'on nous dise la vérité, qu'on ne nous cache rien sur les ovnis. Est-ce que c'est une luminescence? Est-ce que c'est un métal? Est-ce que c'est... une matière inconnue jusqu'à présent. Est-ce qu'on a fait des découvertes grâce à ça? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science, ça? On en parlera au cours de cette émission, mais tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, des témoignages. On commence avec vous, Jacques Krine. Alors, le 23 septembre 1975, vous faites une mission d'entraînement dans la région de Cambrai, Plastron-Mimosa. Alors, racontez-nous tout. Eh bien, on avait touché les Mirage 3, qui étaient équipés de radars très performants, qui nous permettaient de faire des rassemblements de nuit. Donc d'intercepter un avion de nuit, ce qui était des gros progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Une mission. C'est une mission d'entraînement, routine, donc pour l'acquisition du matériel. Et puis, c'est une manœuvre assez délicate, les rassemblements de nuit. Nous étions deux Mirages. Donc on décolle, le secteur était Nord-Cambrai, la frontière belge du côté de Lille, et puis un petit coup vers Reims. Et j'étais plastron sur la première mission, et mon coéquipier est éloigné par le radar du sol, jusqu'à à peu près 80 km, dirigé vers moi. Là, il prenait l'acquisition des targets, c'est-à-dire moi-même sur son radar de bord, et continuait donc l'interception à son compte, et arrivait jusqu'au visuel, ce qu'on appelait l'interrogation, pour voir, donc pour arriver jusqu'à proximité de l'avion. C'est une espèce de course-poursuite, en gros, pour caricaturer un peu le... Oui, c'est un virage relatif. Bon, il faut savoir qu'on faisait la police du ciel, que le ciel français ne peut pas être traversé par n'importe qui sans autorisation, et que c'était un entraînement, il donnait une possibilité qu'un avion traverse justement le ciel français sans autorisation de nuit, puisque c'est quand même les interceptions de nuit les plus délicates. Donc on s'entraînait tout type, tout temps, comme on disait. Et là, je vois, traversant un peu mon champ de vision, je vois... puisque j'ai pris d'abord par un avion en ligne, un cigare, on va dire, à forme un peu d'un ballon de rugby, vous voyez, hein, un truc ovoïde avec pointé au debout, avec des hublots, et une immense, je me rappelle bien, c'est une immense lumière intérieure. Bon, moi, sur le premier coup, j'ai dit ça doit être un avion en ligne qui est à quelques nautiques. Je commence à appeler le contrôleur au sol. Je commence à l'engueuler en disant si vous nous faites faire la manœuvre, on est traversé par un avion en ligne, on va avoir un Hermès, on va se rengueuler, etc. C'est ce travail, quoi. Hein. Le mec, il me dit moi, j'ai rien sur mon scope. J'ai dit écoutez, voilà ce que je vois. Et il me dit non, moi, j'ai rien sur mon scope. Et le gars, il commence à me donner les vérifications bon, oxygène, précieux. C'est-à-dire de dire que bon, attendez, il y a peut-être des phénomènes, on était à 45 000 pieds. Tout le salle de sécurité, et là j'appelle mon collègue qui arrive, il me dit est-ce que tu vois ce que je vois? Il me dit tout à fait, je vois que c'est ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là, quoi, hein? Donc je réinsiste auprès du contrôleur, et il me dit moi je vois rien. Ben, moi je dis on voit quelque chose, et mon gars commence à arriver, bon c'est notre travail, c'était la police du ciel, c'était aller voir ce que c'était. Donc l'autre mirage, oui, on arrive à voir ensemble, et la post-combustion, et on fonce là-dessus. Et ce qui m'a frappé, c'est la lumière intérieure. Bon, c'est comme, je veux dire, vous voyez un avion de nuit, vous voyez les lumières à l'intérieur, mais ça, c'était une lumière qui était une blancheur éclatante, je veux dire, extraordinaire, quoi. Une lumière à blanc. Un spot, comme un spot qu'on... Ouais, mais vraiment ce qu'il y a de plus éclatant de blancheur comme lumière. Et en plus, le drôle, c'est que ça ne m'éblouissait pas. Par contre, je sentais l'intérieur, le vide, enfin, l'intérieur de cet objet à travers ces blocs un peu triangulaires et cette lumière qui était d'une blancheur incroyable, j'avais vu ça. Bon, on fonce, donc on va à sa poursuite. Et alors, je sais pas, on est arrivé quand même relativement près, je pense, et ça a disparu dans une microseconde. Quand je veux dire, c'est un peu comme, je dirais, les Dupont là, dans Tintin, où ils sont doublés par un truc, ils ont l'impression pourquoi on est arrêté, quoi. Nous, on est arrêté, planté sur place. Et ce bazar-là est passé d'une accélération zéro à... Et là, vraiment, vous pouvez l'évaluer ou c'est même impossible? Au moins la vitesse de la lumière, parce que de toute façon, ça a disparu instantanément, quoi, je veux dire, le temps d'avoir la perception rétinienne. C'est quoi? C'est la peur? C'est l'étonnement? C'est l'étonnement. C'est l'étonnement, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, je rappelle le contrôle au sol et il me dit, bah, moi, j'ai rien, j'ai toujours rien. J'ai écouté, voilà ce qu'on a vu. Bon, bah, puis rien. On dit, bon, bah, écoute, on va reprendre notre entraînement. Hein, ça coûte cher, les heures de mirage, donc on reprend l'entraînement. Là, c'est moi qui étais chasseur, je passais chasseur sur mon collègue qui était target. D'autres configurations, et pareil, j'arrivais à 15 nautiques, à peu près, enfin, mettons 25 km du plastron, et tac, ce bazar-là réapparaît, entre nous deux. T'as l'air de dire, bah, je vous observe, je suis avec vous les copains, vous voyez. Entre vous deux, donc, vous poursuivez votre collègue, oui. Et entre vous deux, l'objet arrive. Absolument, exactement, dans une position d'observation. Un peu comme nous, ça nous arrivait aussi de faire dans un combat de patrouille, de se mettre au-dessus, comme on dit, sur la perche, et puis de voir à gauche, à droite, comment l'affaire se passait. Le sentiment qu'on avait, c'était pas menaçant, mais enfin, ça nous gênait quand même un peu. Alors, je rappelle le contrôle, qui me dit, écoutez, les gars, non, moi, j'ai rien, j'ai pas de signature radar, je vous vois bien, vous tous les deux, c'est bien votre main d'œuvre, etc. Bon, et tu vois, visuel, post-combustion, boum, on repart encore plus rapidement, les avions un peu plus allégés, et le même phénomène se reproduit. Dès qu'on arrive à une distance assez proche, que peut-être l'objet s'entend menaçant, ça repart, mais je veux dire, salut les copains, et je veux dire, le temps de percevoir d'une manière rétinienne un éclair, quoi. Hein. Bon, et le phénomène s'est représenté une troisième fois. Ah, encore? Oui, donc on a vu, si vous voulez, le phénomène se reproduire trois fois, bon, on prenait à peu près 10 minutes entre chaque représentation. Et la poursuite, ça ne servait à rien. Je veux dire, dès qu'on arrivait, si vous voulez... Et trois fois en combien de temps Bon, en 40 minutes, c'était à peu près l'émission qu'on faisait. Donc là, la première fois, vous ne savez pas trop ce que c'est. La deuxième fois, vous êtes sûr de l'avoir vu. Oui, et la troisième, il y a encore le cerveau, il travaille encore un peu plus. On est encore plus rapide pour lui courir aux fesses, puisque là, bon, on ne prend pas le temps d'identifier, on le voit réapparaître, on le voit... les pédards, quoi, je veux dire, on est de l'un à l'autre, alors qu'on est quand même on est des vitesses légèrement transodiques, on se balade quand même, quoi. Et vous certifiez que le comportement de cet objet volant non identifié était intelligent? C'était un comportement intelligent, on peut le définir comme ça? Si ça avait été un autre avion de chasse qui venait voir un peu... On peut dire qu'on a fait des missions, on va observer ce que font les autres. Bon, c'est des missions combinées, etc. Donc, les gens s'entraînent, il peut y avoir un combat aérien, on peut se mettre à l'observation, ce qu'on appelle sur la plage, pour voir comment ça se passe et restituer après. Donc, c'était une position comme ça. Le problème, c'est que d'abord, on n'était pas averti. Deuxièmement, ça apparaissait comme ça, mais au bon moment, au bon endroit, et ça disparaissait encore plus vite. Et ça ne correspondait évidemment à rien de ce qu'on connaît, d'évolution possible, de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a pu créer de plus extraordinaire d'avions de chasse, que ce soit le Rafale ou n'importe quoi. C'était un peu votre boulot de savoir ce qui se passait dans le ciel et de reconnaître un peu tout ce qui pouvait. C'était la guerre froide, c'est la fin de la guerre froide. Vous retournez donc sur le sol, et là c'est quoi? Vous décidez de... Vous faites la carpe, on n'en parle à personne, on réfléchit deux, trois fois. Quelle a été votre réaction? On était perplexe, c'était bien vu ce que j'ai vu. On a vraiment eu la même restitution de trajectoire, de position, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, on s'est dit, quand on était jeunes, on a dit, bon, nous on aime bien voler, alors si on la ramène, ou on va chez le psy, ou on est au secret, enfin dans tous les cas, ça va être beaucoup d'ennuis, vu l'ambiance actuelle. Donc si vous voulez, c'est une chose qu'on a gardée pour nous. Quand j'ai débriefé, quand on se posait, on débriefait le contrôleur a dit, bon, on voyait que c'est un type qui n'avait pas son souci, ce qu'il voulait, c'est 3 interceptions réussies. Donc on a gardé ça pour nous. Vous en avez quand même parlé un peu à vos amis au départ, ou c'était vraiment secret défense? Je veux dire, l'ambiance qui évolue maintenant, puisque les gens sont plus ouverts à ce genre de choses, c'est que, bon, moi, la première fois que je l'ai ramené, pratiquement, c'était d'ailleurs sur une émission qui commençait à venir, c'était 10 ou 12 ans après, et c'est vrai que la réaction de mes proches, c'était de dire, ah, mon colonel, vous avez filmé la moquette, quoi. C'est exactement ça. Et il y a toujours un front de réaction comme ça, ce qui ne prédisposait pas les gens à raconter leurs observations, alors que des fois en fin de soirée, quand l'ambiance est bonne, si la conversation y est là-dessus, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais moi j'ai quelque chose qui m'intrigue, j'ai vu ceci, cela ». On va écouter dans quelques instants votre témoignage tout aussi saisissant, Daniel Michaud. Avant ça, Patrice Desmazeries, donc vous avez fait un peu le tour du monde, OVNI quand l'armée enquête, vous avez rencontré beaucoup de militaires. Est-ce que vous avez recueilli beaucoup de témoignages comme celui de Jacques Krine, pas seulement en France, mais outre-Atlantique, en Amérique du Sud ou ailleurs? Oui, des témoignages comme celui-là, on en trouve beaucoup, énormément, notamment en Amérique latine, où il y a aussi un groupe d'études qui s'est ouvert, soutenu par l'armée et qui travaille de manière officielle dessus. Donc c'est vrai que des témoignages de pilotes, il y en a énormément à travers le monde, quoi. Donc ça, c'est plus non plus tabou. Il y a des recherches qui sont faites aussi en Amérique du Sud. C'est assez récent. Quand vous êtes allé enquêter, ils ouvrent leurs archives. C'est facile ou il ne faut quand même pas exagérer? Pas à ce point-là. Bah, je pense qu'en Amérique latine, il y a à peu près la même démarche que celle qui est établie en France actuellement. C'est-à-dire qu'en France, il y a le Gepan, qui est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés. Phénomène, pourquoi on parle de phénomène plutôt que d'OVNI? C'est parce qu'on n'est pas sûr que ça soit solide, que ça soit des objets, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont ou des rentrées dans l'atmosphère, ou des phénomènes de type plasma, qui sont des phénomènes physiques, qui ne sont pas des objets solides. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la différenciation entre phénomènes aériens non identifiés, et les OVNI. Et les ovnis, voilà. Ouais. Alors, dans quelques instants, je vous dis, on va écouter votre témoignage, Daniel Michaud. Juste avant, on va revenir sur une période, le 10 août 1998, en France. Voilà ce qu'il s'est passé, écoutez. Ce soir-là, dans un grand nombre de sites, simultanément ou quasi simultanément, en tout cas dans une période de 20 minutes environ, des centaines et des centaines de personnes font des observations de choses qui leur paraissent tout à fait incompréhensibles et qui passent dans le ciel. Vers-le-Grand, ça se situe dans la lointaine banlieue sud de Paris. Ça représente l'itinéraire que suivait ce soir-là une dame qui rentrait de son travail à Bondoufle et qui rentrait chez elle à Itteville. Elle jette un coup d'œil tout en ralentissant, et voilà une représentation de ce qu'elle voit, hein. Une sorte de cylindre noir ou très sombre, avec une extrémité en forme de tronc de cône, l'autre extrémité ayant probablement aussi cette forme de tronc de cône, mais elle n'en est pas certaine parce qu'elle n'arrivait pas à tourner suffisamment la tête pour observer l'objet comme il aurait fallu, tout en évitant les collisions avec les voitures qui venaient en face. Alors, un exemple parmi beaucoup d'autres, ce soir-là, à la même heure, dans le sud de la Dordogne, dans un petit village qui s'appelle Vert-de-Biron, il y a 2 témoins qui observent cette chose étrange qui a une certaine épaisseur, qui a une forme de triangle curviligne, avec des feux sur le côté. Sous cet objet, il y a ce que les témoins ont décrit comme un déric inversé, tirant à son extrémité un tube lumineux, qui est malheureusement représenté en jaune ici, alors qu'en fait il était de couleur blanche. Le même soir, à la même heure, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter, plusieurs dizaines d'observations aussi extraordinaires que ça, ou plus extraordinaires encore, ont eu lieu presque simultanément. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? C'est un problème extraordinaire. On ne peut quand même pas douter de l'objectivité des témoins, étant donné que des témoins, il y en a dans 14 départements le même soir. Eh bien, ça n'a donné lieu, à part ce que nous avons fait à la lumière dans la nuit, ça n'a donné lieu à aucune étude d'ensemble, à aucune synthèse de la question, et tout se passe comme s'il n'y avait rien eu. Les gens ignorent totalement aujourd'hui, alors que nous sommes seulement 8 ans après, les gens ignorent que dans la soirée du 10 août 98, il y a eu une accumulation d'observations de choses complètement non identifiées et non identifiables. Alors voilà, on a un peu ce témoignage d'un monsieur qui a l'air sérieux, qui a recueilli tous ces différents témoignages dans 14 départements de la France, n'entend à la fin qu'aucune étude n'a été faite. Gilles Pinon, justement, je me tourne vers vous, contre-amiral. Vous avez envoyé, il y a maintenant un an quasiment, une lettre ouverte au président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui parle du sujet en mettant en garde sur certaines choses. Alors ça arrive, on va dire... Parce que 10 ans après le premier rapport Cometa, qui était un rapport non officiel, qui avait été donné au gouvernement et qui faisait état, un peu état des lieux, en disant voilà, c'est un phénomène à prendre au sérieux, il faut développer des moyens, etc. etc. Qu'est-ce que vous avez voulu dire il y a un an dans cette lettre que vous avez adressée au président de la République? Écoutez, avec quelques amis, nous avons fait le constat que le traitement réservé aux ovnis en France n'était pas à la hauteur de l'importance et de la gravité du sujet. Comme vous le rappeliez, une association, Cometa, à laquelle je n'appartiens pas, a, il y a 10 ans, remis un rapport au président de la République et au Premier ministre, soulignant l'urgence, ou en tout cas le grand intérêt de regarder de plus près cette affaire. Et nous avons réfléchi à la façon de débloquer cette situation. Or, nous nous sommes rendus compte que, finalement... tout le monde se tenait par la barbichette, que le monde politique, que le pouvoir politique attendait que le monde politique s'en émeuve, que le monde politique attendait la caution de la communauté scientifique, que la communauté scientifique attendait une mission de la part du pouvoir politique. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est un serpent qui se mord la queue. Alors nous avons cherché le maillon faible et nous nous sommes dit que finalement, la meilleure façon peut-être de débloquer la situation, c'était de s'adresser au pouvoir politique. Et à ce moment-là seulement, la communauté scientifique, missionnée par le pouvoir politique, pourrait s'intéresser d'une façon sérieuse au sujet. Alors Dieu merci, il y a quelques scientifiques qui n'ont pas attendu la mission du pouvoir politique, mais il nous semble que le sujet est tellement important sur le plan stratégique, sur le plan scientifique, qu'il est nécessaire que, tôt ou tard, le pouvoir politique s'implique. Une lettre au président de la République, ouverte. Alors lettre ouverte, on en reparlera dans quelques instants. Vous parlez d'un point de vue scientifique. Je me tourne sur le scientifique autour de cette table, Jean-Pierre Petit. Après, on a dit le rapport Cometa. Qu'est-ce qui a été fait concrètement d'un point de vue purement scientifique ces 30 dernières années? Je parle bien sûr en France. Moi, j'ai fait une série de publications scientifiques. Les 3 dernières, c'était au mois de septembre, c'est-à-dire dans un colloque international de magnéto-hydrodynamique que je suis allé, où on a présenté avec Geffrey un travail. On a donc 3 articles. Ces articles sont, il y en a un sur les aérodines discoïdaux. Et je parle d'un point de vue plus général, d'un point de vue scientifique au niveau du gouvernement. On a parlé tout à l'heure du GIPAN, qui dépend du Cnes. Il y a des témoignages qui sont recueillis. Il y a quand même quelques personnes qui y travaillent. Je peux vous répondre, parce que disons que je crois que c'est en 2005, j'ai eu Sillard au téléphone, et Sillard, c'est le créateur du GIPAN. Voilà, c'est ça. Et je l'ai trouvé tout à fait sincère, honnête, donc il a essayé de faire quelque chose, mais en fait, il y a des oppositions énormes à l'intérieur du CNES, énormes à l'intérieur du pouvoir politique, énormes à l'intérieur de l'armée. Par exemple, je crois que c'est vous, Pinon, qui m'avez parlé de ça, comme État, il y a Leti et tous ces gens-là, ils ont essayé de faire quelque chose. Ils en ont pris plein de nez, quoi. Je veux dire que leur hiérarchie a désapprouvé leur initiative. D'ailleurs, vous parlez... Je suis désolé de ne pas les voir ici ce soir. D'ailleurs, je les ai invités, mais ils n'ont pas accepté de venir, très clairement. L'idée, justement, c'est que quand on parle encore aujourd'hui, vous êtes un éminent scientifique, vous avez publié je ne sais pas combien de revues, notamment sur la magnéto-hydrodynamique. Bon bref, même vous, vous êtes fait montrer du doigt, limite injurié quand vous parlez de ces phénomènes. Pourquoi? Mais c'est pas injurié, c'est crédit coupé pendant 30 ans. Et quand vous avez par exemple Bougnas, qui est biologiste, qui avait fait les analyses sur l'atterrissage de Trans-en-Provence, il en a parlé. Suppression de laboratoire, suppression de moyens de travail, plus rien. Il s'est retrouvé avec une chaise et un bureau, c'est tout. Alors moi, je pouvais travailler avec le papier-crayon, donc j'ai continué à me battre papier-crayon, parce que j'étais théoricien aussi. Bougnas, lui, il en est mort, on peut dire. Mais vraiment, on lui a tout enlevé. Tous ses moyens, tout son personnel. On sent bien une révolte dans ce que vous dites, malgré tout, vous continuez un petit peu à essayer. Mais ça s'appelle la chasse aux sorcières, c'est tout. Ouais. Et c'est dans le domaine partout. Par exemple, Leti aussi a une désapprobation de sa part, sa hiérarchie. Je rappelle que Général Leti, donc c'est celui qui a fait le rapport Cometa, qui en est président. Patrice Desmazeries. Non, simplement préciser que le Cnes, quand même, avec le Gepan, relève et à travers avec l'aide de la gendarmerie aussi, essaye pour l'instant de relever tous les cas d'observation et le font de manière assez sérieuse quand même. Ça sert à rien, ça sert à rien. Par exemple, Patenay vient de donner une interview. Patenay, c'est le président du actuel. Alors, je rappelle juste évidemment que le Cnes, donc c'est le Centre national des études spatiales, à l'intérieur duquel il y a une cellule qui s'appelle le GIPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux identifiés. Et donc voilà. Donc en gros, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est quand même pas mal. Ils recueillent en gros tous les témoignages. Mais non, Patenay actuellement, il est à la retraite depuis le mois de décembre. Il a un successeur qui n'a pas encore pris ses fonctions. Ils ont mis 60% des rapports de gendarmerie en ligne. Il n'y a rien dans ces rapports, strictement rien d'utilisable, rien. L'OVNI venait de la gauche, il est allé à droite, Madame Machin a dit ceci et cela, et voilà. Et nous avons fait des cas. Il n'y a rien. J'ai envie de dire d'un côté... C'est 30 ans de recueil de rien. Mais est-ce qu'on ne peut pas étudier justement ces... pour l'instant, effectivement, vous dites rien. Il y a quand même ces témoignages. Alors, je ne sais pas, d'un point de vue psychiatrique ou je ne sais pas, on étudie les témoignages avant autre chose. Est-ce qu'on peut utiliser les témoignages scientifiquement? Est-ce que c'est une donnée qu'on a qui peut faire part d'une analyse scientifique? Alors, Gilles Pinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, mais enfin, le Gepan fait de la collecte de données. Hein, il n'a pas pour mission de définir des actions de recherche scientifique ou de renseignement. Hein, il est certain que si on veut des actions de recherche scientifique, comme celles qu'a déjà entreprises à titre privé Monsieur Petit, il faut que la communauté scientifique soit missionnée par le pouvoir politique. La communauté scientifique d'elle-même, de sa propre autorité, ne se mettra pas au travail. Ça a un coût. Hein, la recherche scientifique. Ouais. Et ce coût ne peut être supporté que par l'État. Simplement pour dire que c'est très compliqué aussi qu'on a... parce que principalement, c'est quand même des témoignages humains. Donc c'est très difficile aussi d'étudier des témoignages humains de manière scientifique. Les cas d'atterrissage avéré où il y a des traces sont extrêmement rares et ils sont remis à caution pour beaucoup. Donc pour l'instant c'est très compliqué de pouvoir avoir une démarche scientifique sérieuse sur les témoignages humains, je veux dire. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Il est possible d'avoir une attitude scientifique sur des traces, sur des objets lumineux. Oui, mais sur des témoignages. Là, il parle des témoignages humains, c'est plus compliqué. Bon, le témoignage. On va écouter justement un témoignage humain et pas des moindres, celui de Daniel Michaud qui était avec nous. Alors, Daniel Michaud, alors là c'est pareil, un souvenir, je pense que vous allez me le décrire dans les moindres détails. Que s'est-il passé, qu'avez-vous vu? Alors c'était en 1973, j'étais jeune pilote dans la LAT. La LAT étant l'aviation légère de l'armée de terre. J'étais basé à Rennes-Saint-Jacques et avec un ami qui s'appelait Jean-Luc Bidot, nous allions à Caen-Carpiquet, à l'école des PIFAT, école des personnels féminins. Elle était à Caen, elle n'était pas à Dieppe. C'était une mission. École des personnels féminins, mission agréable. Oui, très agréable, parce que, imaginez-vous, vous avez 22 ans, vous allez vous poser un hélicoptère au milieu de l'école des PFAT, il ne se passe rien évidemment, mais le relationnel est quand même très sympathique. Donc avec Jean-Luc ce jour-là, on était très heureux, et à un quart d'heure de l'arrivée, il faisait très beau, on était en condition de Volcavoc, à 1000 pieds, ce qui n'est pas très haut, 330 mètres, alors que nous discutions de sujets comme peuvent les aborder des jeunes. Jean-Luc qui était à ma gauche m'a dit « Daniel, regarde, oh merde !» Et j'ai tourné la tête. Pardon pour le mot merde, mais ça s'est passé comme ça. J'ai tourné la tête et j'ai vu passer la fin de quelque chose de très gros qui, à l'instant T, m'a paru gros comme un paquebot. C'est l'image première que j'ai eue, qui a fait avec la forme de cigare. Très vite, on a été en station arrière. Vous voyez, le truc nous passe à côté, la station arrière. Et on voit la section qui termine par un point. Alors, surpris, je préciserai après les perturbations, tout ça, vous allez voir, il n'y a rien eu. Et alors, très surpris, je dis à Jean-Luc, mais oh, t'as vu comme moi? Il me dit, putain, qu'est-ce que c'était ce truc? Donc, pendant les minutes qui ont suivi, on était quand même... pas dans une position de grand confort psychologique, je suis très honnête avec vous. On avait les yeux qui tournaient un peu partout, on se disait qu'est-ce que c'est ce truc. Bon, on ne passait plus à l'école des PFAT à ce moment-là. Oui, c'est vrai. J'ai appelé par radio, on avait une radio VHF à bord, c'était pas bien équipé, les Alouettes n'avaient qu'une radio VHF et HF, et je vous dirai l'intérêt de la HF tout à l'heure. J'appelle dans le contrôleur et qui me dit oui, on a vu ça par séoscope. Voilà cette histoire. Alors, ce qu'il y a donc en gros, une trace radar du phénomène. Une trace radar qui a traversé le scope à un temps très court et qui... Donc ça, c'est rarissime quand même, quand un témoignage est corroboré par une trace radar. Absolument, absolument. Et alors, si vous voulez, ce qu'il y a d'assez étonnant dans tout cela, c'est que la taille de l'objet étant gigantesque, hein, on aurait dû, avec notre petite Alouette 2, qui est un petit hélicoptère magnifique de recoptère, mais qui date maintenant, on aurait dû être carrément, on aurait dû se cracher. Et alors, je vais aller beaucoup plus loin plus tard, où là, c'est pas une aventure ovni du tout, du tout, du tout, mais c'est pour expliquer ce qu'on aurait dû ressentir au cours de cette rencontre. Beaucoup plus tard, j'étais chef de cours et vol aux instruments à Dax, en condition indiamaique, ce qu'on appelait le VOI, et avec un monsieur Hoffler, on est passé par erreur, enfin pas nous, un mirage de Mont-de-Marsan est sorti de la P35 que connaît très bien monsieur Krine et est venu mort dans la R40, c'est-à-dire la zone réservée à Dax. On est donc passé avec une Gazelle 341 dans le souffle d'un simple mirage. Alors attendez, un hélicoptère, c'est dans un hélicoptère et vous passez à côté d'un mirage. On passe dans le souffle. Et là, de 2800 mètres on était, on s'est récupéré avec Hoffler à 700 mètres. Après avoir fait des roulés-boulés vers l'avant. En gros, vous avez été éjecté, enfin il y a eu une secousse violente. Non, on a été pris dans le sillage extrêmement perturbant de cet avion. Bon, je reviens à 1973. Si je compare les deux situations, compte tenu de la taille de l'objet en 1973, on aurait dû être tout simplement détruit. Vous ne serez pas là pour me parler. Et voilà. Et là, il n'y a rien eu, même pas de craquement radio. Alors, je vous parlais de la HF. Ce système-là avait une particularité, il crachotait tout le temps. Il était extrêmement sensible à toutes les perturbations. Et quand cet ovni, on va l'appeler comme ça, nous a doublé, rien. Rien. Ni perturbation radio, ni perturbation d'ordre aérologique. Rien, rien, rien. Ni sifflement, ni perturbation d'aucune sorte. Rien. Sauf de nous avoir un peu noué l'estomac. Alors cet objet qui était immense, à l'instant, quand c'est arrivé, l'image qui m'est venue, c'est un paquebot. Parce qu'un truc comme ça, c'est très gros. Très, très gros. Était d'une couleur gris minium. C'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire cette peinture qui sert à traiter le métal. Alors voilà. Si vous voulez, on va voir, puisqu'il y a une équipe formidable qui a fait une simulation 3D. Un grand merci d'ailleurs à qui dit oui. On a essayé, ils ont essayé brillamment de reproduire, alors c'est pas évident, ce que vous avez vu. Oui, alors vous allez le commenter, on va voir ces images, on les découvre. Alors, donc voilà, vous survolez, on voit cet hélicoptère, c'est vous. C'est nous. Et tout d'un coup... Voilà, c'est exactement ça. Donc on va le revoir sous différents plans, mais ça paraît hallucinant. Vous êtes... Voilà, c'est ça. C'est effectivement, quand vous dites un paquebot, ça semble... C'est à peu près la durée d'observation, en gros une seconde à peu près. Alors on voit la différence, donc vous êtes le point rouge et c'est l'OVNI en fait. Alors l'ombre par contre, ça je ne sais pas, j'ai jamais parlé de ça, je pense que c'est le monsieur qui l'a mise. Je me suis souvent posé la question de me dire mais comment ça se fait que plein de personnes ne l'aient pas vu au sol ? Parce qu'un engin pareil. Et puis, plus tard, le hasard de mon métier a voulu qu'un jour, en tant qu'officier, posé avec un hélicoptère derrière des artilleurs, j'étais derrière un canon 155. Et le hasard voulait que j'étais derrière le monsieur qui tire la corde, là. Et quand vous êtes derrière un canon, je vous assure, c'est vrai, vous voyez partir l'obus. Vous êtes derrière, vous voyez un petit point noir qui part. Par contre, quand vous êtes latéral à un obus, à un canon, vous ne voyez pas. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est parce que ça allait si vite que la rétine ne percevait pas. Alors, j'ai gardé ça pour moi très longtemps. Avec Jean-Luc, on en a parlé beaucoup. Quand on est revenu à l'escadrille, on en a parlé. Mais c'était le moment où j'allais passer officier. Officiellement ou comme Jacques Krine, vous êtes tué un moment. On m'a gentiment conseillé de peut-être ne pas forcément parler trop de ça parce que ce n'était pas une façon d'appuyer ou de crédibiliser mon dossier. Alors on a gardé ça pour nous, on en a parlé souvent. De ce jour-là, si vous voulez, j'ai été passionné par le problème OVNI. Il y a de quoi. Je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'on lui a dit. Ça c'est bien pour un chrétien par exemple qui n'a pas vu la passion du Christ. Moi je suis dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'il a vu. C'est très difficile à ce partir de là de l'ignorer. Alors ensuite... Mais vous croyez quand vous dites vous croyez. Là aujourd'hui, effectivement, vous avez vu. Vous croyez à quoi, j'ai envie de vous dire? Eh bien, je crois à ce que j'ai vu. Voilà, je ne peux pas donner d'explication. À mon modeste niveau, je pense que le développement technologique de la race humaine ne permet pas de faire quelque chose comme ça. Ou si c'était aussi gros, ça irait pas aussi vite. Et si ça allait aussi vite, il y aurait des perturbations aérologiques extraordinaires. Il n'y avait rien de tout ça. Bon. Donc vous confirmez que vous étiez dans votre hélicoptère, quand je vois cette image, ça me fait vraiment halluciner, et pas d'autre mot. Et votre hélicoptère ne bouge pas d'un poil, il suit sa trajectoire. Pas d'un poil. C'est quelque chose d'incroyable, pas d'un poil, aucune perturbation. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple tout à l'heure vécu beaucoup plus tard. Alors j'imagine que ça allait à la vitesse subsonique, n'en parlons pas, c'est-à-dire au-dessus de la vitesse du son. Normalement, il y a un espèce de bang. Très vite. Ça, aujourd'hui, Jean-Pierre Petit, scientifique, ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, c'est ce qu'on vient de décrire, ce que Daniel Michaud vient de décrire. Aujourd'hui, avec les connaissances actuelles d'un point de vue scientifique, ce phénomène est irréalisable sur Terre aujourd'hui. Mais écoutez, ça c'était le point de départ de mes recherches. C'est-à-dire que quand vous disiez par exemple, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un témoignage, ben, y a des gens qui ont dit, j'ai vu passer ça derrière le clocher devant la montagne et ça a duré 1 seconde et demie. Bon bah ça devait aller à 4000 km/h. Il n'y a pas eu de bang. Donc question pour un scientifique, est-il possible de voler à une vitesse pareille sans faire de bang? C'est la question que je me suis posée. J'ai travaillé 30 ans dessus, j'ai dirigé une thèse de doctorat, j'ai publié des tas de travaux là-dessus. Bon, c'est sûr qu'il y aurait des expériences à faire. Mais moi, ma conviction est faite, mais les publications scientifiques sont faites, technologiquement, on saurait faire ça. Alors, mais essayez de me répondre à ma question. Ça, aujourd'hui, donc après vos recherches, vos 30 années de recherche, est-ce que ce phénomène, aujourd'hui, en France, aux États-Unis, en Russie, je ne sais pas où, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Mais disons, par rapport à ce que racontait Michaud, arriver à faire passer un truc de la taille d'un dirigeable à 9 km/h, je suis pas sûr. Mais par contre, il y a des témoignages où des gens voient passer des choses à vitesse supersonique et ils n'entendent rien. Ça, c'est faisable. D'accord. Mais ce témoignage de Daniel Michaud, justement, ça paraît encore a priori difficile. Écoutez, on ne peut pas tout expliquer d'un coup. Non, parce que là, bon, on en revient, c'est qu'effectivement, le son, oui, mais l'onde de choc, non. Et si... Normalement, un objet avec un volume pareil en supersonique, ça vous balance une onde de choc, c'est pire qu'une déferlante en bateau dans la mer. Ça effondre les toits. Oui, exactement. Vous savez, vous avez une différence de pression atmosphérique, les cardiaques meurent, les maisons s'écroulent et les cheminées aussi. Et lui, il aurait fait une série de voltiges extraordinaires, il aurait été pulvérisé. Quoi, je veux dire. Déjà, quand vous passez dans le sous d'un Reiter, c'est redoutable. Mais il y a des gens qui sont passés dans l'onde de choc en basse altitude, d'un avion de chasse en supersonique en basse altitude, je peux vous dire, ça vous en souvenez longtemps. Donc en gros, voilà. Ce que vous avez vécu ne peut pas être ce que vous décrivez, vous, en tout cas, Jacques Krine, c'est-à-dire une chose subsonique qu'on connaîtrait aujourd'hui. Surtout que la valeur de l'onde de choc, c'est la valeur du volume. Alors, je veux dire que là, ça aurait dû perturber tout le département. Là. Absolument. Alors, on va parler, bien sûr, aussi des États-Unis. Alors, on entend beaucoup de choses sur les États-Unis. Sont-ils en avance largement sur nous, sur le phénomène? Jean-Pierre Petit, vous avez écrit « OVNI et armes secrètes américaines, l'extraordinaire témoignage d'un scientifique » aux éditions Albin Michel. Là, quand on lit ça... En 2003, donc il y a maintenant 6 ans. Quand on lit ce livre, il y a des révélations absolument extraordinaires. Alors, on va en parler dans quelques instants, si vous voulez bien. Avant ça, Patrice Desmazeries, je me tourne vers vous. Pareil, vous avez enquêté pendant 1 an quasiment sur le sujet. Vous êtes allé... Pas 1 an sur les États-Unis, mais sur le sujet OVNI, je parle, bien sûr. Vous êtes allé aux États-Unis. On va voir quelques images et vous allez nous dire si les portes étaient si faciles à ouvrir. On regarde justement un extrait de votre documentaire OVNI, Quand l'armée enquête, pour savoir si les États-Unis étaient de tout temps, aussi fermés à parler de ce sujet. Regardez. 1952 à Washington. Les écrans radars signalent soudain la présence d'objets volants non identifiés. Les objets se déplacent à environ 200 km/h, puis ils accélèrent brusquement jusqu'à 12 000 km/h. Ils effectuent des arrêts soudains et des virages à 90 degrés. Ils sont poursuivis par les avions de l'US Air Force. Mais à chaque fois que les avions s'approchent des ovnis, ils disparaissent des écrans radars, puis ils réapparaissent. La Maison Blanche est submergée d'appels téléphoniques de témoins. L'événement fait la une de la presse. Un général d'état-major de l'armée de l'air donne alors une conférence de presse. Je suis ici pour parler des soi-disant soucoupes volantes. L'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les États-Unis. La presse titre sur les soucoupes volantes, mais la version officielle évoque une inversion de température tout à fait naturelle. Une couche d'air chaud dans le ciel aurait renvoyé des échoradars qui venaient en réalité du sol. Une version qui n'explique pas les manœuvres de ces objets. Cette conférence de presse fut la première et la dernière d'un général sur le sujet. Dans les années 50 et 60, l'armée de l'air poursuit son programme de recherche sur les ovnis, mais elle ne communique plus. Elle enquête sur toutes les observations signalées. 13 000 rapports qui dorment aujourd'hui aux archives nationales de Washington. Nous avons pu les consulter. La plupart des phénomènes ont une explication, comme ces photos. Là, c'est en réalité un avion au-dessus du Capitole. Ici, une réflexion de la lumière sur l'objectif de l'appareil photo. Synthèse mois par mois des phénomènes non identifiés en 1951. Au mois d'août, 15 observations sont faites par des pilotes civils ou militaires. En face, le résultat de l'enquête. Pas de conclusion, pas d'explication non plus au phénomène, dossier classé. Au total, près de 700 cas sont restés inexpliqués. Il y a aussi des dessins faits d'après les observations de militaires américains. Ici, le 24 juillet 1948, un pilote et son copilote ont vu cet engin passer à proximité de leur avion. Un engin de 15 mètres de long, les passagers ont confirmé leur témoignage. Mais en 1969, les États-Unis ont annoncé qu'ils arrêtaient d'enquêter sur les ovnis. Officiellement, selon l'armée de l'air, l'étude des phénomènes aériens non identifiés n'a jamais rien apporté de concluant. Voilà donc pour cet extrait de votre documentaire, Patrice Desmazeries. Alors voilà, on entend la dernière phrase, ça n'a jamais rien apporté de concluant. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il n'y a rien qui a été fait depuis? Non, disons que les différentes agences américaines continuent de relever les témoignages. Il y a eu des rapports de la CIA qui ont pu être déclassifiés. On s'est aperçu effectivement qu'ils continuent de recueillir des témoignages qui, quand ça concerne une partie de la population qui est importante. Mais moi, je n'ai pas découvert, en tout cas avec le travail que j'ai fait, un bureau d'études spécial consacré aux ovnis ou aux phénomènes aériens non identifiés. Il n'y a même pas de l'équivalent du GIPAN aux États-Unis, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Officiellement, depuis la publication du rapport Condon, qui était le rapport d'une université américaine justement qui concluait au non-intérêt de ces études, ils ont officiellement tout arrêté. Mmh. Ce qui est vrai, c'est que on a aujourd'hui quand même des phénomènes aux États-Unis qui sont assez nombreux, avec des témoignages quelquefois particulièrement troublants. Et c'est quand même bizarre de voir que dans ce cas-là, le gouvernement américain, enfin les autorités américaines ne communiquent absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une enquête qui devrait être menée, notamment sur les Lumières de Phoenix ou des phénomènes qui sont particulièrement troublants. On parlera des Lumières de Phoenix en fin d'émission. Mais justement, vous avez essayé de prendre contact avec les institutions américaines et à chaque fois, c'est quoi? C'est refus, c'est on ne communique plus, ça n'existe plus, tout a brûlé. Fin... Oui, ça n'a aucun intérêt, on ne communique plus dessus et voilà, c'est no comment. Ouais. Alors, Jean-Pierre Petit, justement, je me tourne vers vous maintenant avec ce livre « OVNI et armes secrètes américaines ». Vous, récemment, on n'est pas dans les années 50, on est beaucoup plus tard dans le temps, vous avez rencontré des personnes lors de conférences ou lors de congrès à droite à gauche, vous avez rencontré des personnes qui connaissent ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que pour vous, justement, la recherche aux États-Unis est toujours active sur ce sujet? Ben, c'est exactement ce que j'ai entendu, moi, à Brighton, en décembre 2000. Et j'ai rencontré des gens qui étaient impliqués dans des procès de ce genre. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que c'était des gens compétents, quoi, c'est tout. Par exemple, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des torpilles hyper véloces qui allaient à des vitesses phénoménales. À cette époque-là, personne ne le savait. Maintenant, on commence à savoir qu'il y a des torpilles qui vont à 500 km/h. Mais à l'époque, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai ouvert aussi un petit peu des yeux ronds. Puis maintenant, c'est pas 500 km/h, c'est 2000. Il y a des torpilles MHD. Et quand j'ai discuté avec ce gars-là, dont je ne vais pas donner le nom parce que je préfère que ce soit confidentiel, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous savez tout ça? Il me dit, c'est moi qui ai développé la torpille MHD américaine. Voilà. Alors, le rapport entre la torpille MHD américaine, dont vous parlez, et le rapport avec les ovnis dont on parle. Est-ce que, justement, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ces phénomènes sont étudiés concrètement aux États-Unis, ce même ovni? Quand j'ai parlé à ces gens-là, ils m'ont dit, mais bien sûr, nous, on est au courant depuis 47, il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est une chose naturelle. Je vous assure, c'était mâchoire décrochée. Pour eux, c'est qui pour eux? C'est-à-dire, c'est une élite gouvernementale, c'est les services secrets, c'est pas le... Enfin, qui est au courant? Puisqu'officiellement, on n'a jamais entendu dire, on parlait de Roswell en début d'émission dans le petit sujet, oui, nous avons eu contact avec un cas d'ovni avéré, c'est carrément pas le discours qui tienne, au contraire. Je veux dire, il y a des strates comme ça, il y a des étages où on ne pénètre pas, c'est tout. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des gens qui ont les credentials, ils ont l'accréditation, c'est tout. Ils sont dans le coup. Mais par exemple, les gens que vous avez rencontrés, eux, ils ont ordre de ne rien dire ou ils ne sont pas au courant. Mais il y a des études très intenses aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Mais ces recherches dont vous parlez, elles ont été concrètement, je veux dire, apportées par des études sur les ovnis? Bien sûr, totalement. Mais bien sûr. Et des ovnis, donc je pousse encore le bouchon un peu plus loin, pour vous, forcément d'une intelligence non terrestre? Bah, ça me paraît difficile qu'il y ait une autre hypothèse, vous savez, hein, franchement. Étant donné les témoignages, les histoires des années 50, on ne peut pas faire marcher des trucs comme ce que racontait Michaud en 75. On fait pas circuler un dirigeable à 9000 km/h avec la technologie de 1975, c'est pas possible. Ou alors j'ai loupé un épisode. Hein. Oui, même encore maintenant. Alors... Gilles Pinon, vous avez entendu un petit peu ce qui se passe autour de cette table. Donc voilà, on a des cas concrets. On a a priori les États-Unis qui ont plus qu'une longueur d'avance sur nous. Dixit, Jean-Pierre Petit. On a pas mal de cas concrets, en tout cas souvent avérés. Le gouvernement, donc le gouvernement français, vous, c'est un petit peu votre cible, en gros, dire il va falloir se bouger, et pourquoi? Donc par rapport aux États-Unis, vous savez qu'ils sont plus en avance que nous, les autres pays, la France en est vraiment en retard, il est temps qu'on se lève un petit peu les manches? Il y a quelques éléments qui laissent à penser effectivement qu'ils ont pris beaucoup d'avance sur nous. En tout cas, moi je suis certain d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, on ne fait pas d'impasse. Et il est impensable que les états-majors et que le Patagone n'aient pas été mis au travail sur des événements aussi extraordinaires que ceux qui nous ont été décrits tout à l'heure. Et il faut savoir que les états-majors ont des méthodes de travail. Or là, nous sommes en présence d'un phénomène, vous l'évoquiez à l'instant, qui est vraisemblablement intelligent, qui ne répond pas aux lois ordinaires de la nature, hein, qui est discret, furtif, brouillé. Or, les états-majors disposent d'une méthode pour étudier ce genre de phénomène. Hein. C'est la méthode des états-majors qui a été mise au point aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que à la même époque que la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est ce qui permet de faire une analyse d'une situation lorsqu'il n'y a que des données, disons, naturelles, modélisables, mais lorsqu'il y a une intelligence dont les motifs sont incertains. Lorsque on est en présence d'une menace qui n'est pas avérée mais qui est incertaine, eh bien il faut utiliser les bonnes méthodes qui sont les méthodes d'état-major employées par tous les grands états-majors, mises au point par les Américains encore une fois. Il est impensable que cette méthode n'ait pas été appliquée aux ovnis. Nous nous demandons à ce que le gouvernement français veuille bien mettre nos états-majors au travail. Et je vous assure que s'ils sont mis au travail, en appliquant la bonne méthode, ils arriveront aux conclusions auxquelles quelques-uns d'entre nous sommes déjà parvenus. Alors, vous dites clairement dans cette lettre, vous évoquez largement aussi l'hypothèse extraterrestre, soyons clairs. Nous installons dans l'hypothèse d'une intrusion extraterrestre. Voilà, des êtres intelligents, au niveau de connaissances inégaux et au développement psychique et biologique éloigné, seraient capables de se comprendre. C'est ce que dit Christelle. Oui. Donc, en gros, quand vous envoyez cette lettre au gouvernement il y a un an, aujourd'hui, réponse ou bilan, il y a eu des... Alors nous avons reçu des réponses fort aimables mais très évasives, et de la part du cabinet du président de la République qui nous dit que la lettre a été transmise au ministre de la Recherche. Le Premier ministre nous a répondu que lui aussi transmettait la lettre au ministre de la Recherche, et le ministre de la Recherche, enfin son cabinet, nous a répondu qu'il ne manquerait pas d'en tenir compte et de lancer les bonnes études. Nous demandons une étude exhaustive sur le phénomène, sur une intrusion, sur une intrusion extraterrestre. Hein. Nous demandons une étude de validation de l'hypothèse extraterrestre. En deuxième partie de l'émission, on parlera d'un point de vue stratégique, qui est aussi au cœur du jeu, justement. Oui, parce que il est certain que si effectivement l'étude valide l'hypothèse de l'intrusion extraterrestre, il faut bien voir que nous sommes en présence donc d'une civilisation qui nous observe, qui a une politique, hein, qu'en application de cette politique, elle a une stratégie, et qu'il est donc urgent de réfléchir à la stratégie qu'il faut lui opposer. Or, nous sommes parvenus à la conclusion que le phénomène n'était vraisemblablement pas hostile, mais qu'il était peut-être éminemment dangereux pour des raisons de choc culturel. C'est un sujet extrêmement intéressant de savoir qu'est-ce qui se passerait si il y avait un éventuel contact. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va revenir aussi avec vous après Jean-Pierre Petit. Concrètement, scientifiquement, il y a des choses à faire. On va découvrir ça dans une deuxième partie d'émission. Mais avant ça, je voulais quand même vous présenter un sujet qui n'est pas si éloigné des ovnis. C'est un sujet aussi qui est traité de la même manière, à savoir il y a des études scientifiques qui vont être validées, d'autres qui vont dire c'est une supercherie, il va y avoir des canulars autour de ça. On les appelle les crop circles. Regardez. qu'ils sont observés essentiellement dans le sud de l'Angleterre depuis les années 60 et plus récemment sur toute la surface du globe. À ce jour, leur nombre est évalué à plus de 5000. On les appelle les crop circles ou cercles de culture. Si on en croit les sceptiques, un nombre croissant de personnes passerait des nuits blanches à réaliser ces œuvres d'art. Pourtant, pour les dessins les plus compliqués, les scientifiques sont perplexes et ont de plus en plus de mal à attribuer ce phénomène à quelques faucheurs-farceurs. La chercheuse Lucy Pringle a rassemblé une impressionnante base de données de ce phénomène mystérieux. En observant ces dessins de près, un certain nombre d'éléments restent inexpliqués. Les épis de blé ne sont pas coupés, mais pliés en forme de spirale comme écrasés par un tourbillon. Les tiges ont subi des malformations tout à fait troublantes. Et surtout, certains dessins récemment découverts présentent une structure mathématique extrêmement complexe, impossible à réaliser en une nuit dans l'obscurité. Le mystère de l'origine de certains crop circles est-il si éloigné de celui des ovnis ? Voilà, le mystère de l'origine de ces crop circles. Alors évidemment, on pourrait faire une émission entièrement consacrée à ce sujet. On ne va pas en parler pendant des heures. Malgré tout, quelle est votre réaction à vous, messieurs, par rapport à ça, Jean-Pierre Petit? Moi, j'en ai eu une réaction. Je me rappelle, en 91, j'étais passé une émission de télévision sur la 5, et il y avait un spécialiste des effets spéciaux qui me disait, vous savez, des ovnis, je vous réalise ça quand vous voulez. Bon, ben, peut-être qu'on peut faire des faux crop circles. Ah, c'est sûr, il y a des faux. Il y a même des... C'est sur Internet avec création de crop circles. Voilà, il y a des films là-dessus. Maintenant, j'ai dit à ce type-là, ne me dites pas qu'on peut faire marcher un objet matériel à vitesse supersonique sans faire de borne, parce que ça, c'est pas un effet spécial, c'est de la physique, c'est pas pareil. Ce qui est le cas aussi quand on voit des dessins très compliqués, Jacques. C'est facile de déstabiliser. Je veux dire que vous tournez certaines observations, certaines choses comme ça, vous pouvez les réaliser, vous tournez en canular en disant, vous voyez, c'est... Moi, je vous fais balancer un ballon, vous voyez, l'OVNI que vous avez vu, c'était le lampadaire. Je veux dire, c'est ça, c'est un peu le problème du phénomène OVNI, comme si c'est non identifié. On peut très bien reproduire tout ce qu'on veut, qui ressemble. Donc c'est très déstabilisant, je veux dire. En gros, c'est l'être humain qui auto-ridiculise, qui auto... Il y a un moment, ça devient un phénomène de croyance. Alors vous avez un côté, vous avez l'intelligence logique rare qui va vous déstabiliser ça avec d'autant plus, on met beaucoup plus d'énergie, si vous voulez, dans la destruction d'une chose que dans l'information de... Et Seval va vous expliquer ça, il va vous expliquer pourquoi. Parce que les gens ont peur. Ils veulent exorciser leur peur, c'est tout. Justement, merci beaucoup Jean-Pierre Petit, vous faites parfaitement la transition avec cette deuxième partie d'émission. Juste le temps de remercier, puisqu'il faut laisser malgré tout de la place sur ce plateau, monsieur Daniel Michaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir apporté ce témoignage. Et d'ailleurs, vous le dites en rigolant, vous n'avez rien à vendre. Vous êtes juste là pour apporter un témoignage, pour essayer de faire un peu avancer le schmilblick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve après une courte pause. En Europe, des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils nous expliqueront lesquels. Certains n'hésitent pas à tourner le sujet ovni au ridicule. Nous reviendrons sur l'affaire des Lumières de Phoenix aux États-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi. Dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres, comment réagirions-nous? Des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission. La grande soirée spéciale ovni continue tout de suite après la pub. Bienvenue sur cette grande soirée spéciale OVNI pour ceux qui nous rejoignent. Et nous accueillons nos nouveaux invités. Christelle Seval, bonsoir. Vous êtes ingénieur et vous avez écrit alors un nombre incalculable de livres sur le sujet OVNI, le plan pour sauver la Terre, les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, et plus récemment Contact et Impact, et encore même un roman là, dernièrement tout nouveau venu, Backdoor, sur le sujet que j'ai dans les mains actuellement. Avec vous, on va voir l'aspect un peu psychologique, on en parlait en première partie d'émission dans quelques instants. Julien Geffrey également. Bonsoir. Bonsoir. Un peu de jeunesse dans ce plateau, vous m'en voulez pas messieurs si je dis ça, mais il y a des gens jeunes qui s'intéressent également au sujet OVNI. Vous avez fondé l'association UFO Science. Quelle est un peu cette association UFO Science en deux mots? La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce phénomène mérite une approche scientifique? Et on est parti avec Jean-Pierre Petit d'un constat, en fait, c'est qu'il y a d'un côté des services officiels comme le Gepan, Cnes, qui ne font que collecter des données. On en a parlé. Et de l'autre côté, il y a quelques scientifiques qui ont des idées et qui n'ont pas eu de crédit alors qu'ils étaient en place dans l'establishment. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui? Jean-Pierre Petit, lui, il avait essayé il y a 20 ans de lancer une association, mais il n'y avait pas Internet. Et la grosse nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il y a Internet. Et les gens peuvent être mis au courant en dehors des médias traditionnels. Et donc on a fait l'essai et on a fait un appel à dons et ça a marché. C'est-à-dire que vous avez collecté des fonds, mais pour faire une étude scientifique du sujet. C'est-à-dire que pour démarcher, pour étudier scientifiquement ce phénomène, parce qu'il y a des prises scientifiques sur ce phénomène. En fait. Alors lesquelles, on va les voir dans quelques instants. Je représente rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, les invités qui étaient là depuis le début de cette émission. Donc on parlait de vous à l'instant. Jean-Pierre Petit, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien et auteur de plusieurs livres, dont le dernier, OVNI, le message. Jacques Krine, toujours avec nous. Remarquable avec ses moustaches, colonel de réserve dans votre carrière, beaucoup d'activités, dont pilote de chasse, leader, ancien leader de la patrouille de France. Solo, je précise. Solo. Ah, vous aimez ce mot, solo. Commandant de bord et instructeur sur Airbus. Et puis, également avec nous depuis le début de l'émission, Gilles Pinon. Contre-amiral de réserve dans la marine, spécialiste des ovnis. Enfin, Patrice Desmazeries, journaliste réalisateur. Vous avez notamment réalisé le très bon film OVNI quand l'armée enquête, produit par TV Presse. Alors justement, on parlait de science, ça tombe bien. Julien Geffrey, vous nous disiez qu'il y avait des choses à faire, des petites choses à faire. Vous nous avez même donné des documents. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses abordables, scientifiquement, qui peuvent être mises en œuvre pour aider simplement le corps scientifique à mettre en évidence ces ovnis? Tout à fait. D'abord, il y a quelque chose qui avait été démontré déjà dans les années 80, au tout début des années 80, c'est que quand il y a un phénomène anormal qui atterrit quelque part, il y a une modification biochimique profonde dans les végétaux. Et ça a été démontré scientifiquement par Michel Bougnas en 1981. Et donc, où les végétaux avaient été prélevés et analysés en laboratoire. C'est-à-dire concrètement, c'est quand un objet volant non identifié se pose quelque part, il faut étudier les traces. Il faut étudier les traces au sol qui sont visibles et les traces invisibles qui sont dans les végétaux au niveau composition chimique des végétaux. Et Michel Bougnas a démontré qu'il y avait une modification chimique profonde dans les végétaux et qu'en plus... c'était un phénomène radiatif qui disparaissait très vite avec la distance. Excusez-moi Julien, mais ça a l'air, j'allais dire, évident. Enfin, si vous dites qu'il faut faire ça, c'est qu'aujourd'hui... Non, c'est que ça a été fait une première fois. Et là, il y a eu un deuxième cas quelques années plus tard. Et cette fois, ça a été complètement raté. C'est-à-dire que les gendarmes qui sont chargés de ce type d'enquête sont arrivés sur le terrain et ont coupé les plantes au ciseau, les ont enfermées dans des sachets plastiques hermétiques. Et on mit ça dans le bac à légumes de la brigade. Et, d'accord. Voilà. Et donc, le temps que ça arrive au labo, les échantillons étaient pourris. Ah oui, bah oui. D'accord. Donc, il y a le deuxième cas qui aurait pu confirmer le premier en 81. Et il n'a pas été concluant à cause de ça. Donc, il manque en fait des équipes dédiées, spécialisées pour étudier ce phénomène in situ. Faire les prélèvements adéquats et les analyses ensuite. Justement, vous nous avez confié une petite vidéo qui est une simulation, tout simplement, de ce qu'il faudrait faire. On la découvre et on en parle après. Regardez. Un objet volant non identifié aurait atterri, laissant une trace visible sur le sol. Suite à une enquête préalable corroborant le sérieux du témoignage, une équipe d'intervention spécialisée est dépêchée sur le terrain. L'équipe procède en premier lieu au balisage de la zone. Une balise par mètre est placée sur chacun des axes gradués. L'acidité du sol est mesurée, la terre est prélevée. Et les végétaux sont coupés, puis enfermés dans des sachets hermétiques numérotés. Ils sont alors conservés dans de la glace carbonique à moins 80 degrés. À cette température très basse, leur métabolisme est totalement stoppé. Les échantillons ainsi conservés sont transportés jusqu'au laboratoire d'analyse qui déterminera l'origine du phénomène. Alors voilà, petite simulation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait tout simplement pour faire fonctionner ce protocole concrètement? Après, il y a le circuit de l'information. Ça arrive plus souvent qu'on croit, mais les gens ne parlent pas forcément. il y a la peur du ridicule. Ouais. Mais bon, qui contacter quand on voit ça? Normalement, il faut contacter la gendarmerie. Donc en gros, ce sera la gendarmerie qu'il faudra apprendre ça, je ne sais pas, Jean-Pierre Petit, ou ce seraient les méthodes à apprendre à la gendarmerie. Oui, je pense qu'il y a quand même une chose, c'est qu'il y a un territoire assez vaste à couvrir. Qui peut faire ça? Je crois qu'effectivement, on ne peut pas confier ça à n'importe qui. Il faudrait former les gendarmes, mais sur ce genre de choses. Mmh. Par exemple, pour qu'ils comprennent qu'il faut conserver ça à moins 80 degrés et pas dans un bac à légumes. Mmh. Donc il faut leur expliquer. Mais personne ne le fait. Donc en gros, c'est un peu, on va dire, le but un peu du Faux Sciences aussi, c'est un peu sensibiliser sur tous ces sujets. On a quand même une police scientifique qui commence à être sacrément pointue. Et je pense qu'une information, de ce qu'ils savent faire pour certaines choses, du protocole qui serait pour ce genre de choses, il n'y a pas grand-chose à faire qu'une bonne information, je veux dire. Hein. Surtout que ça ne doit pas coûter cher. Enfin, je ne sais pas, l'équipement en tout de ce qu'on a pu voir, ça ne doit pas... L'équipement, c'est quelque chose... ce qu'on a vu, là, 300, 400 euros. Ouais, même les analyses, on les a reconstituées, c'est pas très cher, c'est pas ruineux. Et alors, il va vous parler aussi de alors, voilà. Alors, on va venir au deuxième sujet tout de suite. Ces fameuses, alors vous allez voir, je vais vous dire un mot, chers téléspectateurs, vous allez me regarder avec des yeux écarquillés, je vous lis, je me lance, des bonnettes à réseau de diffraction. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Regardez. Une lumière étrange est observée dans le ciel nocturne. Il existe un unique moyen de déterminer la nature d'une telle source. Il faut placer un réseau de diffraction qui est un filtre spécial devant l'objectif de l'appareil photo. Le filtre a imprimé sur la photo une bande colorée, véritable carte d'identité chimique. Son analyse déterminera si le phénomène est d'origine humaine, naturelle ou inconnue. On peut également filmer en adaptant le filtre sur un caméscope ou une caméra de surveillance. Un réseau de diffraction est utilisable avec tous les appareils photo, y compris les téléphones portables. Voilà, donc après cette explication, un réseau de diffraction permettrait à quelqu'un, lorsqu'il découvre, lorsqu'il voit un ovni, de prendre en photo et on pourrait en faire quelque chose de scientifique. Alors on peut savoir, on peut analyser chimiquement l'origine de la lumière. Mm-hmm. Je veux dire une chose, c'est que ça date de 1951. Mm-hmm. Hein, je pense qu'on va pouvoir le montrer à l'image. Il y a une photographie que Jean-Christophe Doré a trouvée dans une revue américaine de 1951. Mm-hmm. L'armée américaine avait mis au point un appareil qui prenait deux vues. Il y avait une vue avec un objectif normal et l'autre avec un réseau. 1951. Et la légende, c'est grâce à ce dispositif, l'armée espère pouvoir percer le mystère des ovnis. Puis après, ça a disparu. Mais parce qu'ils savaient, ils n'avaient plus besoin. On voit la photo d'ailleurs de cet appareil qui était disponible, on vous dit, dès 1951. Et pourquoi alors est-ce qu'on n'en a jamais entendu parler de ce gadget si a priori, c'est parce qu'après, il y a eu une prise de conscience tout à fait autre. On n'avait plus besoin de cet appareil, c'est tout. Sinon, c'est un gadget qui, c'est plus qu'un gadget. Hein. C'est tout simplement un procédé physique et qui est utilisé quand même par certains scientifiques. Je pense notamment en Norvège ou à d'autres endroits où on s'en sert actuellement pour étudier différents phénomènes physiques et essayer de comprendre ce que c'est. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un truc comme ça, on peut le faire avec une bonnette autocollante. Tu n'en as pas une ici? Si. Voilà. Bon, les Japonais mettent des petites bonnettes autocollantes pour trafiquer les images sur leur téléphone portable. Un réseau, c'est ça. C'est comme une diapositive. C'est comme une diapositive. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est en fait, aujourd'hui, les téléphones portables ont un objectif ridiculement petit, et on peut faire une bonnette autocollante qu'on attache sur son téléphone, et quand on voit un truc, clac, on la colle et on prend la photo. Voilà. D'accord. Et ça vaut moins d'un euro. Ça coûte. Ça veut dire que si on arrosait tout le monde, c'est-à-dire voilà, on offrait ça, on accroche à notre téléphone portable, on voit, on croit voir quelque chose, on met ça sur la bonnette, hop. C'est une question de statistique après, c'est vrai. Si... Une petite question, c'est-à-dire que la qualité de la photo sur un téléphone portable serait suffisante quand même pour que le spectre donne des informations. Après, il y a la résolution de l'objectif. Ouais. Aujourd'hui, les téléphones portables, on atteint couramment sur les nouveaux modèles 5-7 mégapixels, c'est suffisant. Même sur des 2 mégapixels, c'est suffisant. D'accord, donc en tout cas, pour résumer, ce petit gadget qui en est un pourrait être distribué à très très grande échelle et pas forcément à des gendarmes ou à des autorités, mais à tout le monde. Et ce qui permettrait d'avoir en fait beaucoup de traces de ces sujets et pouvoir en tirer des conclusions. Ben voilà, donc il reste qu'à le faire si ça coûte pas cher. J'ai envie de le dire, ça paraît facile, mais personne n'y a pensé. 2000 exemplaires, 5000 euros. On a un devis. On a un devis. Voilà. Donc là, on tient une idée sur le plateau peut-être là. Il va falloir, s'il y a un fabricant qui nous regarde, s'il y a quelqu'un qui a envie de sponsoriser ça, sinon on va être obligé de le faire. Alors, ce sujet malgré tout sur ces réseaux de diffraction, on va en parler avec vous, Patrice Desmazeries, puisque votre enquête vous a mené également en Norvège. à Hessdalen, dans un village où il se passe beaucoup de choses, beaucoup en tout cas d'observations ont été faites. Et je pense que là, vous avez été clairement bluffé. Il n'y a pas d'autre mot, puisque votre caméra, votre équipe, c'est vous qui filmez même, je crois. Oui, tout à fait, c'est moi qui filmais, oui. D'accord. J'ai été bluffé, mais je tiens à préciser quand même que moi, je suis assez sceptique hein, de nature. Donc, on va sur des phénomènes de type lumineux qui ne sont pas encore expliqués aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément de type intelligence extraterrestre. Donc, je tenais quand même à préciser que sur Hessdalen, on n'a pas d'éléments de preuve concrète, mais sur pas grand-chose d'ailleurs. Enfin, excusez-moi de vous dire, il n'y a pas de preuves concrètes sur un élément qui prouve par A plus B officiellement que c'était extraterrestre. Non, ça serait. Voilà, je veux dire, ça serait, évidemment. Ça serait. On ne ferait même pas d'émission comme ça, on parlerait d'autre chose. Alors, on va voir justement un extrait de ce film documentaire que vous avez réalisé à Hessdalen. Regardez. Hessdalen, un petit village de quelques centaines d'habitants, perdu au milieu de la campagne norvégienne. Ce village, cerné par les montagnes, intrigue les scientifiques de toute l'Europe. Depuis des années, les habitants sont témoins d'étranges apparitions. 4 décembre 1999, voici le lieu de jour, et le voici filmé à 17h20 de nuit. La lumière n'a pas disparu, c'est la caméra qui a cessé de tourner au bout de 12 secondes. Nous avons agrandi l'image. Cette lumière qui traverse le champ de la caméra fait partie des phénomènes d'Hessdalen, comme les ont plusieurs fois photographiés les scientifiques. Nous décidons de passer la nuit dans la montagne. Nous retrouvons un groupe d'étudiants et de lycéens qui part en observation. Dans cette zone, il y a eu beaucoup d'observations au-dessus de ces montagnes. La plupart des photos des phénomènes ont été faites sur ces sommets. Le matériel est déployé, l'attente commence. Le froid s'installe avec la nuit, il fait moins 5 degrés. Et tout à coup, à 22h10, des cris. Nous avons ralenti l'image, traversant le ciel comme un bolide, une lumière. Le temps de zoomer et de faire la mise au point, elle disparaît. L'observation a duré 8 secondes. Voici la même image agrandie. Le lendemain, séance de débriefing au PC. Une photo de ce que nous avons vu pendant la nuit a été prise. C'est la photo la plus fantastique que nous ayons jamais prise. Si vous pouvez voir, avec les différents mouvements, ça ne se déplace pas en ligne droite. Le temps de pause est de 30 secondes, ce qui donne cette traînée lumineuse, qui est en réalité le déplacement de la lumière. Mais ce qui intéresse le plus les scientifiques, c'est cet arc-en-ciel en bas de la photo. Le spectre lumineux. Cet arc-en-ciel contient les empreintes digitales et les éléments chimiques qui composent le phénomène d'Hessdalen. On peut voir en analysant ce spectre si c'est un objet solide ou non, comme du plasma ou du gaz. Mon premier sentiment, je ne suis pas sûr, ça ressemble à quelque chose de solide. Oui, ça ressemble à quelque chose de solide comme du métal. Patrice Desmazeries, les yeux se tournent vers vous. C'est vous qui êtes à l'origine de ces de ces images. Alors que s'est-il passé après ça, cette analyse? Qu'est-ce qu'elle a donné? J'imagine que là, plus que le journaliste, il y a l'homme qui reprend le dessus en disant « j'étais témoin d'un phénomène, je veux en savoir plus ». Oui, il y a deux choses. Il y a déjà évidemment le choc du phénomène visuel et le trouble que ça peut susciter chez quelqu'un qui ne croit pas au phénomène ovni, enfin de manière... direct, et donc effectivement... Clairement, c'est-à-dire que vous ne croyez pas aux extraterrestres au départ, pour être très précis sur les... pour être très précis, je pense que ça relève pour l'instant, enfin, tant qu'on ne m'aura pas démontré de manière claire que les extraterrestres existent, enfin, je pense que les extraterrestres, qu'il y a une forme de vie quelque part dans l'univers, mais après qu'ils viennent sur Terre, c'est une autre histoire, quoi. Donc, sur ça, donc, un premier choc, on se met en question, et puis après, bon, il y a une chose qui est coupée là dans le film, mais il y a eu aussi un éco-radar, donc quelque chose, beaucoup d'éléments qui scientifiquement permettent d'étudier ce phénomène plus à fond, et là les scientifiques norvégiens travaillent dessus, une équipe de scientifiques italiens aussi qui travaille dessus. Et alors, des publications de ces phénomènes? Alors justement sur cette observation qui a été faite il y a 2 ans, normalement il y a une publication qui est prévue, oui, dans une revue scientifique, oui. C'est toujours assez long, monsieur Petit le sait, puisqu'il doit y avoir vérification et un certain nombre de choses, mais il semblerait effectivement que c'est quelque chose de solide. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que justement aujourd'hui, le Centre national d'études spatiales français donc, a décidé peut-être d'envoyer une équipe aussi pour collaborer avec les scientifiques norvégiens et italiens. Mais ce qui est très intéressant avec Hessdalen, c'est qu'on a un véritable laboratoire à grandeur nature où on peut venir... Puisque ces phénomènes sont répétitifs, il y a à peu près une trentaine d'observations chaque année. C'est ça qui est incroyable, ça veut dire pourquoi dans certaines régions du monde, il y aurait comme là beaucoup plus de phénomènes d'apparition qu'ailleurs? Mais là, on ne sait absolument pas s'il s'agit de soucoupes volantes, d'autres choses ou d'ovnis. Ah ouais. Ça peut être des phénomènes... Là, pour le coup, c'est un phénomène aérospatial de l'identifier. Voilà, c'est exactement ça. Bon, avec la possibilité, avec l'éco-radar et le fait qu'il y ait quand même quelque chose de peut-être solide. Mais pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on parle plutôt de phénomènes de plasma, donc de naissance un peu comme une petite étoile. Mais moi, je pense que dans l'ensemble des phénomènes ovnis, je pense que la physique nous apportera énormément de choses. Enfin, sans rentrer dans les détails, mais tout ce qui est physique quantique et tout ça ouvre des portes aujourd'hui qui sont immenses. Ça permet, on parle d'univers parallèle ou de choses comme ça. Mais quand justement vous avez un scientifique devant vous, je vous dis, qui a fait énormément de recherches, qui a priori a publié énormément, qui a travaillé beaucoup, qui lui dit clairement la probabilité la plus forte de ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, c'est extraterrestre. Est-ce que pour vous, en tant que journaliste, c'est une chose qui vous suffit ou pas? Clairement, voilà. Ben non, sinon je changerais de métier. Non, non, pour moi, il faut un peu plus d'éléments, donc j'ai envie de questionner. C'est ce que j'ai fait en partie dans ce film. D'ailleurs, j'ai été questionné des personnes qui ont vu... Mais à la fin, quand on voit ce film, oui, la sensation qu'on a, malgré tout, c'est... Vous donnez pas de réponse, mais on sent quand même... Moi, je voudrais qu'on arrête de traiter ça, de tourner ça au ridicule à chaque fois. Donc, qu'on essaye de prendre conscience qu'il y a effectivement des phénomènes aériens non expliqués dans le ciel. Que ces phénomènes aériens, on sait que les 3 quarts, effectivement, sont ou des rentrées dans l'atmosphère ou des phénomènes naturels. Que derrière, il reste toujours une petite part irréductible et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser aussi. De manière... Jacques Krine, de Daniel Michaud, voilà, de ce qu'on a pu entendre... de manière assez sérieuse, et d'autres cas aussi où il y a justement confirmation radar qui sont quand même des cas assez tangibles, et là c'est vrai que ça mérite étude approfondie si on le peut. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Hessdalen, c'est que là justement, comme il y a une régularité dans ces apparitions, on peut se donner les moyens aujourd'hui. Ils ont déjà un certain nombre de moyens, ils ont sur place, ils ont plusieurs laboratoires, mais je veux dire, on peut amplifier ces moyens pour essayer de cerner un peu mieux, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le ciel là-bas, quoi. Gilles Pinon, vous vouliez intervenir, je vais à un moment vous... Oui, non, je voulais simplement dire que rien ne prouve, il est à mon avis un peu hasardeux de dire que Hessdalen et les ovnis qui ont survolé les silos des missiles Minutemen américains en 1967 relèvent de la même explication. Hein. Certes, dans les 2 cas, il s'agit de phénomènes aérospatiaux non identifiés, mais je ne pense pas une seconde qu'il s'agit de la même origine. Vous parliez justement d'affinité, après j'allais dire, du phénomène avec le nucléaire. On se rend compte qu'après, et ça j'ai lu, hein, c'est pas moi qui l'invente, après les premières explosions atomiques, donc Nagasaki, Hiroshima bien sûr, on a vu des survols, on a constaté des survols ostensibles très nombreux au-dessus des sites nucléaires, civils ou militaires. C'est Vous, Christelle Seval, je vous ai entendu dire ça clairement dans une interview que vous aviez donnée. Est-ce que c'est un constat évident? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Jean-Jacques Velasco, qui était l'ancien ingénieur chargé du Gepan, enfin du Cepra, a écrit un livre justement sur le sujet parce qu'il a bien vu la corrélation qu'il y a entre... Le Gepan, donc je rappelle, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux identifiés. Voilà. Et donc il avait bien vu la corrélation qui existe entre le phénomène OVNI et le nucléaire, dans toutes ses formes. Effectivement, on peut citer par exemple la base de Malmstrom aux États-Unis, où il y avait ces fameux missiles Minuteman, et c'est étalé sur presque des centaines de kilomètres. Et il y a eu là effectivement un ovni qui a complètement paralysé plusieurs silos. Il y a eu des enquêtes après techniques qui ont prouvé que eh bien l'arrêt total des missiles était totalement inexpliqué. Une question. Vous avez écrit un livre, Contact et Impact, qui prend l'hypothèse pour le coup d'avoir un contact direct avec un extraterrestre. On y va très clairement. Voilà, et vous imaginez toutes les hypothèses. Voilà. C'est l'hypothèse de départ. Qu'est-ce qui se passerait en cas de contact avec des extraterrestres intelligents? Alors j'imagine que Gilles Pinon, votre lettre qui s'adressait justement au président de la République, ce cas que décrit Christelle Seval, c'est une des positions importantes que vous voulez essayer de faire. Oui, dans la lettre, dans l'étude que nous demandons, il faudra bien s'interroger sur la raison pour laquelle il n'y a pas eu contact. Et Christelle Seval et moi-même avons les mêmes conclusions finalement, c'est que si le phénomène n'est apparemment pas hostile, il est éminemment dangereux. Il est éminemment dangereux parce que s'il y avait un contact brutal auquel nous ne serions pas préparés, nous pourrions perdre la confiance que nous avons dans notre capacité à maîtriser notre avenir. Et ce choc culturel pourrait être très dommageable. Et alors il était intéressant, et Christelle Seval l'a fait, d'étudier les conséquences que pourrait avoir un tel contact, et on s'aperçoit qu'un tel contact serait éminemment dommageable. Alors, comment ça se passerait, en fait, ce contact? Votre analyse vous a poussé à quelle conclusion? L'histoire nous a appris que les civilisations primitives, exposées à des civilisations technologiquement avancées, sont vouées à s'effondrer. À juste titre, dans le langage, on dit le choc des cultures, le choc des civilisations. Eh bien, lorsqu'il y a un choc, la plus faible est extrêmement vulnérable. J'ai encore en tête ces photos qui ont fait la une de la presse il y a 1 ou 2 ans, qui montraient des Indiens d'Amazonie en train de tirer avec leurs arcs et des flèches sur l'hélicoptère qui survolait le village de façon tout à fait fortuite, quoi. Manifestement, ces Indiens n'avaient jamais rencontré d'hommes occidentaux et de technologie, et c'était la première réaction qu'ils avaient instinctivement, une réaction de peur et de défense. Et il ne faut pas se tromper, nous sommes, exactement, nous sommes la tribu primitive, et aujourd'hui, nos arcs et nos flèches, ce sont nos avions et nos missiles. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de pilotes qui ont tiré sur des ovnis, parce qu'on leur a donné l'ordre de tirer. Par exemple, Jean Kisling, qui a témoigné il n'y a pas longtemps, un pilote français. Donc, dit alors avoir eu l'ordre, clairement, de tirer sur, sur un ovni. Oui, il était instructeur aux États-Unis sur une base américaine. Ça se passait en 1945. Et on lui a donné l'ordre d'aller chasser des ballons sondes suspects. Et lorsqu'il s'est approché des ballons sondes, il a vu ceux-ci se transformer en disques. Et il a quand même tiré avec ses 8 mitrailleuses. Et il est revenu. Bon, maintenant il témoigne. C'est dans une nouvelle association qui s'est créée, dans une association savante qui s'appelle... la 3AF. La 3AF, exactement. Et bon, il y a des tas de témoignages de pilotes comme ça qui ont tiré. Donc, nous sommes une tribu primitive. Ça veut dire que concrètement, le bilan est très négatif. Et encore une fois, vous dites que ce n'est pas hostile. Alors, je me mets dans l'hypothèse où les extraterrestres existeraient, qu'ils seraient vraiment dans ces fameux ovnis. S'ils avaient voulu nous détruire, ce serait fait depuis longtemps. Ce n'est pas du tout le cas. Et en gros, il n'y a même pas d'issue, puisque vous dites clairement qu'on serait anéanti. Donc c'est un petit peu, dans cette hypothèse, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis toujours stupéfié de voir que on oublie toujours l'approche sociologique lorsqu'on aborde le phénomène OVNI. Or, l'approche sociologique a par exemple, une réponse quasi évidente à la question récurrente qui est au cœur du débat quand même, qui est si les extraterrestres sont là, pourquoi ne se manifestent-ils pas? Oui. Moi, je suis jaloux, j'en ai jamais vu. La réponse, c'est que notre civilisation ne le supporterait pas. Nous ne sommes pas capables d'absorber le choc culturellement. Jacques Krine. Ben oui, moi, j'ai imaginé qu'on soit à la période des Gaulois, un Gaulois qui est dans son champ, à la période des Romains, et qui voit passer un blériot. Tiens, c'est le 100e anniversaire de Blériot. Imaginons, mettons-nous dans la tête d'un Gaulois avec sa pensée politiquement correcte de l'époque, son analyse politiquement correcte de l'époque, il voit passer ça dans son ciel. Moi, dans mon expérience, que je reprends de temps en temps, je dis, bon, moi j'en reste à l'objet volant non identifié, mais ça n'empêche pas de gamberger, on peut. Et là, après, ça devient un problème de foi, ça devient un problème de culture, c'est une réponse à une peur, c'est un espoir. Moi, je veux dire une chose, c'est que c'est quand même une déception pour moi qui suis dans la communauté scientifique, de voir que les scientifiques qui ont les outils intellectuels pour s'approcher de ces choses-là sont les gens qui ont le plus peur. Moi, j'ai appelé ça la cosmotrouille. Ils ont une trouille pas possible, les scientifiques. Alors, pour en revenir à ces fameux contacts éventuels, sommes-nous prêts à un éventuel contact? La réponse, c'est quoi? Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a eu des rapports. Par exemple, je cite le rapport du Brookings Institution qui a été commandé par la NASA et qui dit qu'en cas de contact, il y aurait un risque de bouleversement culturel, politique, social, religieux, scientifique, philosophique, et conclut par des risques de révolution. C'est la peur. Bon, voilà. C'est notre incapacité à affronter un inconnu aussi immense. Et sachant cela, posez-vous la question, que ferait un ethnologue extraterrestre en visite chez nous? Si cette forme d'intelligence, malgré tout, est présente dans des ovnis sur notre petite Terre, ce serait quoi, dans cette hypothèse, leur but? Observer. Mais la Terre en observation, comme nous le ferions si nous avions les moyens d'aller dans l'espace observer une planète qui porte la vie. On ferait en sorte de l'observer de façon à accroître nos connaissances, en veillant bien, en aucun cas, à lui porter dommage, c'est-à-dire en évitant à tout prix le contact. Le contact, dans l'état actuel des choses sur Terre, comme le disait Seval tout à l'heure, n'est pas possible. Malgré tout, il y a eu des contacts, il y a eu des témoignages. Oui, mais le phénomène a sa stratégie, il est furtif, il est discret, il est brouillé, hein, de façon à ce que tout contact comporte un côté absurde, incompréhensible, de telle sorte qu'il est rejeté par les médias et par l'opinion publique. Donc la mission se poursuit, la Terre est sous observation, et parce que si il n'y avait aucun contact, l'observation ne serait pas possible, mais le phénomène fait en sorte que le contact ne soit pas médiatisé. D'où la stratégie repose sur le brouillage. Jean-Pierre Petit, vous levez le doigt. Je voudrais vous donner mon opinion. Le phénomène OVNI, il s'intensifie quand même à partir des années 45-47, dans la prière, comme ça. Et comme l'avait remarqué Velasco, enfin, il a vraiment insisté là-dessus, c'est justement au moment où on entre dans l'ère nucléaire. Et moi, je vais vous donner ma conviction. À partir du moment où une civilisation planétaire commence à toucher à l'atome, elle commence à toucher à des énergies, et elle est partie dans une espèce de compte à rebours qui va se terminer par le voyage extraterrestre, par la capacité de changer de physique, de faire des découvertes absolument phénoménales, et on a des gens qui observent en disant tiens, ça y est, ils sont entrés dans le club, on va voir. Alors effectivement, il y a deux solutions. Soit on arrive à faire ce saut et on va rentrer dans le club des gens qui se connaissent, on a des voisins, on va les rencontrer, et puis peut-être qu'on arrivera à résister à ce choc culturel parce qu'on va découvrir des tas de choses, soit alors ça va nous exploser la figure, hein, parce que cette technologie elle est extrêmement dangereuse, c'est tout. Elle sert à quoi aujourd'hui concrètement, cette technologie qui est de plus en plus mise en œuvre? On pense pas tellement au voyage interstellaire, quoique si, y a quand même, on essaye d'aller sur Mars, on essaye d'aller découvrir... C'est surtout la guerre. Regardez par exemple le livre « Venir en secrète américaine », moi c'est ce que j'ai entendu à Brighton. Qu'est-ce qu'on fait les Américains? Des armes. C'est ce qu'ils avaient dans la tête, c'est tout. Et je vous dis, l'incidence qu'a eu le fait qu'ils aient pris le sujet OVNI au sérieux, c'est formidable, on va pouvoir faire des armes avec. Exactement, ils m'ont dit ça naïvement. Des torpilles hypervioleuses, tout ce qu'on veut. De la taxe avec les Russes pendant 1 an et demi dans les années 72-74. Alors, il y a eu des gens qui se sont plaints d'avoir eu des contacts, d'avoir été enlevés. Bon, alors ça, c'est aussi le témoignage humain. C'est encore un sujet alors qu'on pourrait faire une mission entière. Il y a eu un psychiatre américain qui s'est intéressé très fortement à ça. John Mack. Et si vous voulez, sans valider la valeur du récit, c'est que ces gens-là avaient subi un choc très important au niveau émotionnel, au niveau physiologique, et les gens qui ont subi des grands traumatismes ou des grands chocs, il y a un marqueur. Après, les gens qui sont psy le retrouvent. Bon. Et ces gens-là avaient tous cette espèce de marqueur d'une immense émotion, d'une immense trouille, ou, enfin d'un traumatisme. D'un traumatisme, donc il était là. Donc sans valider leur récit, que c'était des extraterrestres ou pas, c'est qu'eux, ils avaient vécu une expérience qui était quand même assez extraordinaire. Quoi qu'ils aient vécu, ils en sortaient pas du tout indemnes. Ah non, on peut comparer ça avec les expériences de mort imminente qui avaient fait l'objet d'une émission avant. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que les gens qui ont vécu cette expérience en sortent complètement changés. Alors, Jacques Krine, vous parliez de désinformation. Eh bien, justement, retour sur un événement qui s'est passé à Phoenix, aux États-Unis en 1997, où un objet volant non identifié a été vu par des centaines de personnes. Voilà comment était traitée l'information. Que s'est-il passé le 13 mars 1997 dans le ciel de Phoenix aux États-Unis? De nombreux habitants de la région ont été témoins d'un phénomène toujours inexpliqué aujourd'hui et qui reste l'un des plus marquants de l'histoire du phénomène OVNI. Ce soir-là, vers 22 h, 10% des habitants de l'Arizona disent avoir vu la même chose. Une formation de lumière en V, large de plusieurs kilomètres, qui a traversé silencieusement l'Arizona. Certains n'ont pas hésité à prendre leur caméscope pour filmer la scène. Figure this one out. There's a double. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Oh, what do we got? Hey, Sue! Oh my God! Oh. The time is about 10 o'clock, Sue? Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Le sujet prend une grande ampleur. La mairie reçoit un nombre incalculable d'appels et les médias relayent largement l'information. Pourtant, le gouvernement décide de tourner l'affaire en dérision lors d'une conférence de presse 3 mois plus tard. Maintenant, je demande à l'officier d'escorter l'accusé dans cette pièce afin que nous voyions tous le coupable. Ne le mettez pas trop près de moi. Que s'est-il réellement passé cette nuit du 13 mars 1997 au-dessus de la ville de Phoenix? Est-il plus facile de nier ou de tourner au ridicule ce que nous ne sommes pas capables d'expliquer? Alors voilà, politique énorme de désinformation, on tourne clairement l'affaire au ridicule. Patrice Desmazeries, je sais que vous êtes allé également à Phoenix, menez votre enquête. Réaction par rapport à ça? Non, ce qui est surprenant sur ce qu'on vient de voir, c'est le témoignage du gouverneur justement qui tourne un peu l'histoire au ridicule, mais... Aujourd'hui, il est revenu complètement sur ses déclarations. Il avouait que lui aussi avait vu quelque chose de particulièrement étrange du fond de son jardin, où il était posté à ce moment-là, et qu'il a fait cette déclaration principalement, justement, pour rassurer la population. Et donc, si un gouverneur aujourd'hui américain reconnaît lui-même que ces objets ont... Enfin, que lui les a vus, ce qui prouve bien qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans le ciel à Phoenix à ce moment-là. La position de l'armée américaine est très simple. Pour elle, ce sont des flares. Des flares, c'est des leurres lumineux que lâchent les avions. Et ces leurres lumineux, c'est vrai, quand ils tombent de nuit, peuvent donner une impression, quelquefois, d'observer Il y avait une géométrie parfaite, là, parce que voilà, ça pourrait être aléatoire. Ce qui est un peu troublant par rapport à des flares, c'est que normalement, en général, comme il y a une lumière qui se dégage derrière, on voit comme si... On voit une traînée, on voit des petits parachutes qui maintiennent, et ça reste pas de manière complètement géométrique pendant plusieurs minutes, quoi. Donc on essaye de trouver une explication à ce qui... ce qui aurait été intéressant, c'est parce qu'il y a quand même plus de 700 témoignages là-bas de citoyens américains. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'il y ait une enquête officielle menée, comme toujours, et ça n'a pas été le cas. Donc ce sont des témoignages avec des personnes à chaque fois qui ont vu quelque chose d'assez énorme. Certains parlent de choses qui ont la taille d'un terrain de football, donc c'est quelque chose d'assez fort. Parce que là, on voit une vidéo comme ça d'assez loin, mais des personnes qui ont une sensation physique de l'objet qui passait au-dessus d'eux quand ils le voyaient, quoi. Donc, sans arriver à voir le contour total, quoi. Alors... Christelle Seval, on se rend compte aussi dans les témoignages qu'il y a des contacts répétés. Certaines personnes vont bizarrement voir plusieurs fois, vont être témoins plusieurs fois de phénomènes. Est-ce qu'on a une explication par rapport à ça? Effectivement, on a constaté dans les témoignages, à la fois les témoignages d'abduction, c'est-à-dire d'enlèvement, et à la fois les témoignages d'observation visuelle, on a souvent remarqué que les témoins, en fait, n'en étaient pas à leur première observation et que c'était récurrent dans leur vie. Et on a beaucoup de mal, en fait, à dissocier, je dirais, les ovnis de phénomènes plus généraux qu'on pourrait classer dans le paranormal. Parce qu'en général, ces témoins-là, lorsqu'on les interroge, ont une vie tout à fait passionnante et il leur est arrivé des tas de choses qu'on classerait, nous, aujourd'hui, dans le paranormal. Donc on a l'impression qu'en fait, les gens qui ont des observations rapprochées ou des visions particulièrement fortes ont des aptitudes psychosensorielles qui les amènent à voir beaucoup d'autres choses bizarres aussi dans leur vie. Donc il y aurait des individus un peu prédisposés à voir ou en tout cas à observer ces phénomènes. Si on écoute les témoignages, oui. Par exemple, les abductions, quand on fait des régressions sous hypnose pour essayer de refaire ressortir dans la mémoire des abductés ce qui s'est un petit peu passé, on se rend compte souvent qu'ils ont été abductés depuis leur enfance et que c'est récurrent chaque année. Ou, enfin, on arrive à des nombres incroyables d'enlèvements. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, le témoignage, lui, il est sincère et il est vrai. Écoutez, je pense que cette mission arrive à son terme. On va faire un petit tour de table où je vais donner le mot de la fin à chacun d'entre vous, en commençant par vous, Julien Geffrey. Je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui. On est au début du XXIe siècle. Ça fait plus de 60 ans maintenant que le phénomène est massif. Nous, on a décidé de reprendre des études de MHD un peu que Jean-Pierre Petit avait menées dans les années 70 pour un peu montrer aux gens avec des vidéos des choses qui sont peu connues, expliquer aux gens un peu, apporter de l'eau au moulin de cette thèse véhiculaire. Parce qu'on a aujourd'hui des possibles explications sur comment un tel engin peut se déplacer. Pendant longtemps, on a nié le phénomène parce qu'on disait que c'était impossible de se déplacer à ces vitesses-là. Donc encourageant, on poursuit les études et on essaie de voir plutôt dans côté scientifique. Monsieur Pinon, Gilles Pinon. Eh bien, oui, nous avons vu que le phénomène OVNI met en question la science, mais il met aussi en question, comme nous l'évoquions à l'instant, notre capacité à maîtriser notre avenir, et c'est la raison pour laquelle on comprend bien que le phénomène se montre discret au point d'éviter le contact jusqu'à ce que nous soyons suffisamment préparés pour le supporter sans dommage. Tôt ou tard, il faudra bien établir ce contact, mais ce contact, nous devons nous y préparer, et aujourd'hui, ça n'est certainement pas l'heure de le provoquer. Jacques Krine, qui côtoie les cieux régulièrement. J'écoutais toutes ces théories, c'est vrai que je crois qu'il faut rester en état d'écoute attentif et bienveillant, parce qu'on n'est peut-être pas arrivé au niveau de conscience, au niveau technologique, déjà pour expliquer ou pour comprendre, et puis pour peut-être effectivement avoir un contact. Ça, c'est un supplément d'âme qu'on doit attendre, peut-être. Christelle Seval. Il y a le pionnier russe des fusées qui disait « La Terre est notre berceau ». Mais peut-on rester toute sa vie dans un berceau? Voilà. Belle image, belle image. Patrice Desmazeries, le journaliste. Oui, moi sans parler d'OVNI, parce que je pense qu'on va très vite, je pense qu'il serait quand même intéressant d'étudier déjà les phénomènes aériens non identifiés qui traversent le ciel un peu partout, et qu'on se donne les moyens, c'est vrai, d'avoir une structure qui puisse l'étudier de manière scientifique et sérieuse. Pour éviter aussi certains débords et certains dérapages, quelquefois. Voilà. Audacieux, les manipulations. Et enfin, Jean-Pierre Petit. Écoutez, moi, j'ai mis quelque chose dans ce livre, là, au nid le message, et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vient vraiment de sortir. Hein, je peux vous dire, vous me l'avez donné aujourd'hui, j'ai même pas pu le lire, il est tout frais. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut extraire de ce message OVNI. Moi, je dirais que ce que ces études m'ont apporté, c'est surtout de réfléchir à ce ce qui se passait sur Terre. Sur Terre, on a un phénomène qui est le vivant. Et qu'est-ce que fait la vie? La vie, elle se complexifie, elle étend son champ relationnel. Ça, c'est simplement, c'est la phénoménologie, c'est ce qu'on constate depuis que la vie est apparue sur Terre. Elle étend son champ relationnel. Alors, à ce moment-là, si la technologie n'existe pas, ça s'arrête à la Terre. Parce que c'est pas un goéland avec des ailes gigantesques qui va pouvoir aller dans les autres étoiles. Donc, la technologie serait un point de passage obligé pour arriver à quitter la Terre. Et dans la mesure où, moi c'est un peu mon idée, parce qu'on a toujours des croyances, la pensée c'est un système organisé de croyances, la vie c'est quelque chose qui est piloté un petit peu. Donc on a une espèce mammifère qui est l'homme, tout d'un coup se voit doté de l'intelligence, se voit doté de la technologie, et le but c'est le voyage interstellaire. Et autour de nous on a des gens qui se disent, quand est-ce qu'ils vont comprendre que ça sert à ça? Ils sont en train de s'en servir pour se taper dessus, alors que c'est pas fait pour. Et vous scientifiques, ce voyage interstellaire, vous le prévoyez pour quand? Moi, on ne le verra pas, nos petits-enfants ne le verront pas. Mais bien sûr que si, moi je pense que c'est très proche. Je pense qu'on manipule les énergies, je pense qu'on est capable de changer notre vision de l'univers. Actuellement, vous prenez des choses comme la théorie de la supercorde et tout ça, notre physique, elle est en crise. Or, quand il y a une crise, c'est quelque chose qui va se passer. Regardez l'émergence de la relativité restreinte. Avant, la physique était, elle patinait. Tout d'un coup, il y a une explosion, il y a la mécanique quantique. On est exactement à la veille d'un truc comme ça. Et c'est la retombée de ces choses-là, ce sera le voyage interstellaire. C'est tout. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. Vous avez donc publié ce livre, Ovni, le message, édité par vous-même, et puis le livre dont on a parlé au cours de l'émission, Ovni et armes secrètes américaines, l'extraordinaire témoignage d'un scientifique aux éditions Albin Michel. Jacques Krine, merci beaucoup d'avoir été avec nous également. Et vous avez également une annonce à faire, je sais que prochainement, fin mai, 30 et 31 mai, une grande manifestation. Une grande page d'histoire de l'aviation, à la Ferté-Alais. Ferté-Alais. Chez Jean Salis. Donc un rendez-vous à pas manquer. L'histoire de l'aviation jusqu'au Warburg. Depuis le Berriot, Voilà, vous avez déjà des ovnis extraordinaires. Vous avez déjà un client. Christelle Seval, merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de Contact et Impact, Extraterrestre Contact et Impact, voilà, je l'ai dans la main, et également plus récemment, ce roman, Backdoor, qui est sorti tout récemment. Mois d'avril. Voilà, mois d'avril. Merci beaucoup. Julien Geffrey, merci beaucoup. On retrouve tous vos travaux sur un site, ufo-science.com, qui apparaît à l'écran. Gilles Pinon, merci beaucoup. Alors, vous reviendrez quand même nous raconter un petit peu les suites de cette lettre que vous avez envoyée au gouvernement. On prendra rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Et enfin, Patrice Desmazeries, merci d'avoir été avec nous durant cette émission. On a vu les extraits du film que je conseille, OVNI, Quand l'armée enquête, publié par TV Presse. Merci d'avoir été avec nous. Et diffusé par Cnes+. Pardon? Et qui avait été diffusé par Cnes+, qui nous a permis de produire ce film quand même. Qui était... Voilà, ouais. Merci à eux. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Moi-même, je terminerai par une citation, je pense, qui est de Aimé Michel, quelqu'un qui a travaillé sur le sujet. Tout envisager, mais ne rien croire. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous.